Ma princesse, je te suggère de vendre ces terres. Tu sais que ton père est un roi. Oui, ma princesse, Chinedu a raison. Votre père ne sera pas content avec vous. Une fille qui se promène dans la brousse, considérant votre rang social que vous êtes la fille du roi. Êtes-vous dérangé les filles pour mon rang social ou à cause de mon infirmité? Ma Ça princesse! suffit. Écoutez, en tant qu'un individu et surtout en tant qu'une femme, il est très important d'avoir quelque chose à faire. Ok, par exemple, imaginez que mon père mourait demain. Comment est-ce que je vais prendre soin de moi-même? Ma princesse, tu ne peux pas faire le travail d'un fermier. Ah, je ne me plains pas. Ok, même si nous partons dans ces champs, m'as-tu déjà vu avec une pelle ou une machette avant? Non, ma princesse, mais de la même manière que nous nous occupons du palais, nous pouvons aussi venir s'occuper Non. d'ici. Essayes-tu de me faire changer d'avis ou quoi? Je ne me plains pas. Essayez de nous comprendre, ma princesse. Et d'ailleurs, nous partons pas pour récolter, mais nous allons juste voir ce que nous avons semé. Alors, pourquoi vous êtes dans ces états? Ma princesse, vous pouvez toutefois nous envoyer au lieu de vous stresser. Tu me connais et tu me connais très bien. Depuis que j'étais un enfant, j'aimais faire des choses moi-même. Je ne me plains pas, je vais bien, juste allons-y. Oh, je veux bien comme ça. C'est moi le meilleur. Je suis le meilleur. Hey, je suis le meilleur. Oh, c'est quoi C'est ça? moi le meilleur. Je t'ai dit que je suis meilleur que toi. Oui, il est grand chasseur. Mais tu n'as pas vu ce que j'ai Qu'as-tu fait. fait? Ah, tu ne l'as pas vu. Tu veux le Qu'est-ce que j'ai voir? fait? Oh, je t'avais vu. Tu étais en train de me Toi, regarder. Tu toi, veux imiter ce toi. que je fais. Moi, t'es copié. Tu m'as imité. Je te connais Hey, très bien. moi, un grand, Tu m'as t'es copié. imité. Tu n'es qu'un Écoute, menteur. montre-moi. Comment Tu tu n'es vas qu'un utiliser menteur. ton arme? Qui ne le sait pas, hein? Je suis le plus grand et tout le monde le sait. Une fois seulement, hein? Bam! Et ma fille mourra directement. Comment penses-tu que je vais tuer la chèvre? Bien, Comment fais-tu pour tuer la chèvre? Vas-y, regarde dis. ici. Tu le mets ici. Et ce que tu fais en cachemire, c'est commencer à pleurer. Ose les grands. Oui. Tu sais que nous sommes les grands. Nous sommes les grands Tout hommes. à fait. Le plus grand dans ce village. C'est Le vraiment plus grand ça. chasseur. Écoute, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu as la bonne chance, tu as la grâce, et c'est vraiment ce que j'aime. Princesse, mes salutations. Bonjour. Bonjour, princesse. Bonjour. Princesse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Elle est belle. Elle est belle. Attends d'abord. Chikelo, hein? Ne me dis pas que tu es perdu après la princesse. Oh, elle est tellement belle. Mais je ne suis pas perdu. Je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Mais comment vas-tu aimer une princesse? Hein? Est-ce que tu as eu le temps de te regarder? Est-ce que tu peux aimer la princesse? Crois-tu que la princesse, à son tour, peut tomber amoureuse de toi? Mais elle souriait. Elle ne souriait pas pour toi. Elle était en train de m'observer parce qu'elle sait que je suis Ozo le Grand. Mais une chose que je dois te dire, c'est que cette histoire-là que tu dis, tu aimes la princesse ou quoi que ce soit, laisse que le roi n'entende pas à propos de cette histoire. Ou... Sinon, tu vas courir hors de ce village. Tu m'énieras? Je te parle de toi si Tu tu ne me parles. débattras pas avec moi? Ce n'est pas toi, Ozo le Grand? Je suis Ozo le Grand. Hein? Je ne suis pas un perdant comme toi. Parce qu'une fois que le dieu commence juste à te frapper, ce que tu fais après, c'est... Allons-y, 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 allons-y. allons-y. Vas-y, go, 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 go. Pourquoi avez-vous permis encore à la princesse d'aller au champ? Combien de fois le roi va vous dire que vous ne pouvez pas laisser la princesse sortir de ses palais sans voiture? Il y a beaucoup de voitures dans ses palais. Et pourquoi la laisser partir à pied? Ce n'est pas de notre faute, Sa Majesté. Arrivée à cette forêt, ils ont juste ignoré et ils ont demandé de rentrer. Elle disait qu'elle va nous punir si on continue d'insister. Oui, ma reine. On avait essayé d'arrêter la princesse. Ou bien tu crois que son autorité est plus grande que la mienne?
cette punition que tu penses que tu t'es échappé est celle que tu vas subir maintenant. Mon roi, s'il vous plaît, pitié, je vous le demande. Mon roi, vous ne seriez pas aussi content si vous entendez qu'on a désobéi à la princesse. Je pense que tu dois obéir à mes instructions et voir quelle sera ma réponse. Garde! Ma reine, s'il vous plaît. Oui, sa majesté. Prends-les. Fouette-les. 25 fouets à chacune. Oui, sa majesté. Garde. Oh, papa. Oh, je suis désolée pour tout. Ce n'est pas leur faute. Elles m'ont juste obéi. Tu le sais très bien que tu ne devrais pas t'en aller de cette façon. Tu n'es pas comme toute autre fille de ce village. Tu dois savoir qui tu es. Le mal se fait tous les jours. Tu pourrais facilement kidnapper ou quelque chose de la sorte. Est-ce que tu dois nécessairement aller au champ? Papa, tu sais que c'est ma passion. D'ailleurs, elles étaient là pour prendre soin de moi. Vraiment? Y a-t-il quelque chose que tu as voulu et que je n'ai jamais réalisé? Maman, jusqu'à quand je vais dépendre de toi et de papa? Tu y es notre fille. Et prendre soin de toi est notre responsabilité et non la tienne. Vous les prenez mal juste à cause de ma condition. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Mais laissez-moi faire ce que les gens normaux font. S'il vous plaît. Ok, ça va. Mais tu dois avoir la conscience, ok? Ok, merci papa. Alors papa, tu vas encore punir mes servantes. Le punir, c'est te punir aussi. Merci maman, merci papa. C'est bien. Alors, levez-vous et partez d'ici. Merci maman, je t'en prie. Mazodika, bonjour. Garde tes salutations pour toi. Ah, ah. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un problème entre nous? Tu as l'audace de violer ma fille et tu me demandes s'il y a un problème entre nous? Non, nous dansons. Voilà, nous dansons. Nous dansons encore. Où tiens-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu devrais demander à ton fils inutile. Il a défloré ma fille. Qui est un enfant inutile? C'est mon fils ici que tu appelles inutile? Hé! Ozukwa, qu'est-ce qu'il y a? Et même s'il aime ta fille, et alors? C'est vrai que mon fils t'aime? Oui, maman. Et Zyoku? Vraiment? Viens. As-tu aimé? C'était bon, parce que je connais mon fils. Tu l'as aimé? Hey, Mao. Alors, Odika. S'il sort avec ta fille, ça fait quoi? C'est ce que tu me dis. Que veux-tu que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Dis-moi, ce n'est pas ta fille ici qui s'est fait taper chez tous les anciens de cette communauté? Ah, tu penses que je ne le sais pas? Tu sais, un jour, je t'ai attrapé entré dans un hôtel avec Mazé Koro. Et un autre jour, Mazé Philips. Et l'autre fois au marché, juste là au marché, je l'ai attrapé collé serré avec Mazé Okoro. De bouche à bouche. Oui, et te voilà parler de conneries. Je voulais même venir te donner de conseils. Je planifiais pour venir te voir. Pour t'aider à parler à ta fille. Mais demande-la si coucher avec beaucoup d'hommes est un talent ou une destinée. Parce que la laisser continuer comme ça, se la sacrifier, nous devons la prodiguer du conseil. Ta fille est aussi la mienne. Ta fille est comme une fille pour moi, mais cette fille, elle est vraiment terrible. Papa, faut pas la suivre, elle ment. Okine, moi, menteuse, tu as le courage de m'appeler menteuse? Hein? Regardez cette stupide fille.
Regardez cette stupide fille. Oh, tu dois remercier Dieu parce que tout le monde cherche mon fils. Regarde mon fils, tu l'as bien vu, hein? Tu l'as bien regardé? Tu l'as bien regardé? Hein? Tu devrais être contente qu'un jeune homme est venu vers toi. Parce qu'il n'y a que deux vieux qui courent derrière toi. Et tu es devenue comme une vieille fille. Tu ne ressembles même plus à des filles de ton âge. Regarde-toi. Tu as le même look que ton père. Oui, tu devrais être contente. C'est pour ton bien. Il y a beaucoup de filles en ligne. Utilise les applications. Tu dois t'en trouver une. Cela va t'aider à te fixer et te favoriser. À la place que tu sois la dixième, tu peux être la deuxième. C'est tout ce que je peux faire. Oui, afin que mon fils devienne plus proche de toi. Hein? C'est ce que tu veux? N'importe quoi. J'ai pitié de toi. Regarde comment ta bouche est en train de tourner comme de l'eau. Tel père, tel fils, il n'y a rien d'étonnant. C'est ce qui a tué ton mari récemment. Qu'est-ce que tu dis? Maman, attends. Il vient de mal parler à propos de mon défi. Je vais lui montrer. Plus parler. Quoi? Regarde-moi celui-là, tu vas le rester là. Tu aurais vu à quel point moi je me sauve. Tu n'as même pas honte. Maman, ah oui. Maman, je vais le poursuivre. Hey, tu vois ce genre de personnes, ce sont des gens, ils méritent vraiment d'être tués. Maman, attends d'abord. Tout ce que tu viens de dire concernant cette fille, est-ce que c'est vrai? Donc tu m'as cru. Ça s'appelle la sagesse. Si tu veux aller au paradis, utilise la sagesse. Je ne pouvais pas supporter qu'il te ridiculise comme ça en public, même pas devant cette fille. Non, je ne pouvais pas accepter maman, cela. Maman. Hein? Maman, tu sais quoi? Tu sais ce que tu es? Tu es génie. Maman, maman, tu es génie, en plus, super femme, héroïne, tu es une lionne, la tigresse elle-même, maman, d'ailleurs tu es une super femme, ah, regarde comment tu le disais, tu sais comment nous t'avons cru? Tu sais, c'est comme je t'ai toujours dit, tu peux toujours compter sur moi, tous les jours, à chaque instant. Je ne peux pas comprendre que tu puisses te ridiculiser juste à cause de cette fille, cette sale fille-là. Non, tu dois être sage. Tu dois apprendre à utiliser ta sagesse. Si tu veux aller au ciel, tu dois passer par le soleil. Alors, si tu veux aller au ciel, suis-moi, Véronica. La lionne. Véronica. La Véronica. Super femme. Véronica. Hey. Maman. Tu es écoute, super. Je dois ajouter maintenant la juste femme au nom. Ce serait maintenant Véronique à la sage. Véro, la sage. Maman, tu es vraiment sage. Maman. 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 Hey. Sonia. Maman, hey. Maman, bon après-midi. Bienvenue mes enfants. Maman, tu peux voir que nous ne pouvons pas aller en bourse sans rien porter. Nous y revenons avec une réussite. C'est maman, vrai ça, oui. Hein? Ça, c'est pour toi. Oui. Demain sera le tour de sa mère. Maman, c'est pour toi. C'est bon. Hey! Merci énormément. Maman, mon Dieu va vous bénir. Amen. Hey! Amen. Je suis contente. Chikenou, hein? Maman, je crois que je dois mettre. Non. Asseyez-vous d'abord. Je veux faire quelque chose à manger rapidement. S'il vous plaît. Vous devez manger. Avant que tu ne rentres chez vous. Maman, je reviens de la brousse et je me sens un peu sale. Et comme ça, je dois aller me laver. Après tout ça, je viendrai manger. Ok. Comme tu l'as dit, je veux garder ta d'accord. part. D'accord, maman. Agenouez-vous. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Agenouez-vous d'abord, hein? Mon Dieu va vous bénir. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Juste suis-moi. Partons.
Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que nous allons? Hein? Regarde comment je suis en train de suivre, comme si j'étais en train d'être déporté. Je suis en train de suivre comme si tu étais mon père. Où allons-nous? Tu crois que nous partons à la maison? Est-ce que ça va? De quelle maison es-tu en train de parler? C'est la maison, bien sûr, que nous partons. Ce chemin n'est pas celui qui nous conduit à notre maison. Ce chemin n'est pas l'habituel. Alors, on peut reprendre notre chemin pour rentrer à la maison. Non. Je peux te dire que je tente ma chance. Tu es en train de tenter ta chance. Attends un tout petit peu. Ça devient un tout petit peu sérieux. De quelle chance es-tu en train de parler? Bien. Laisse-moi t'expliquer. Nous apprêtons ce chemin pour que mes yeux voient la princesse enfin de lui dire bonjour. Hey, mon Dieu. Bon plan. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné ce genre d'amis? Hein? Pourquoi? J'étais en train de penser que tu étais un très bon chasseur, mais je viens de me rendre compte que tu es un imbécile et un très très grand fou. Tu m'insultes. Tu veux voir la princesse, hein? Ce n'est pas la peine. Ça ne vaut la peine de prendre ce chemin parce que ce chemin ne conduit qu'à la ferme de la princesse. Hein? Maintenant écoute-moi et écoute-moi très bien, ok? Je ne te soutiens pas par rapport à ces mouvements. Allons-y à la maison avant qu'il ne commence à se faire tard. J'ai besoin de voir la princesse. Ok, d'accord. Tu dis que tu veux voir la princesse. C'est bon alors. Mais lorsque tu verras la princesse, qui penses-tu que tu pourras dire? Qu'est-ce que je dirai encore? Que vas-tu lui dire? La regarder bien dans ses yeux, voir si elle me regarde aussi. Avec sourire, lui dire bonjour. Tu vas juste regarder la princesse et t'assurer qu'elle te regarde droit dans les yeux. Et puis tu lui dis salut. Avec sourire. Et c'est tout. Simplement. Hein? Tu n'es qu'un cafard, une chenille. Tu n'es qu'un simple cafard. Non, tu veux juste voir la princesse pour lui dire salut et puis salut. N'essaies-tu pas que rencontrer la princesse pour lui parler, pour lui dire quelque chose est une très belle opportunité pour lui parler de tes intentions? Dis-lui que tu l'aimes. Amour. Oui. Mais vas-y. Vraiment, tu raisonnes ce que tu dis, Ozo. Nous parlons à propos des princesses. L'amour. Non. Tu ne l'aimes pas. Ne me mets pas dans les troubles, Ozo. Tout ce dont j'ai besoin, c'est regarder la princesse et sourire. Et lui dire bonjour, c'est fini. D'accord, pas de problème. Reste là, attends la princesse. Une fois qu'elle arrive, dis-lui salut et puis souris. D'accord? Mais pour moi, Ozo le grand, je rentre à la maison. Ozo. Allez, mon frère, tu sais combien c'est important pour moi. Reste avec moi. Le seul problème avec toi, c'est que tu n'es pas ouvert à moi. Et pourquoi ne m'avais-tu pas dit depuis le début que tu voulais rencontrer la princesse? Écoute, pourquoi veux-tu me décevoir? Je n'ai pas vraiment l'intention de te décevoir, mais je vais te guider vers elle. Je vais quand même t'entendre, juste parce que j'ai ça avec moi. Si ce n'était pas le cas, j'allais déjà donc, partir. Donc tu m'attends ici? Mais tu dois comprendre que c'est une partie de folie. C'est ce que tu dois comprendre. Oh, donc tu viens m'accompagner? Ozo le grand, grand homme, un homme bien. Allons-y là-bas. Ah, Ozo le grand. Je ne savais pas que ce garçon allait me tuer. Sais-tu ce que tu as causé? Hein? Connais-tu le nom de ce coin? Cet endroit est appelé Okweke. Donc, nous avons parcouru tout ce chemin venant d'Okuku jusqu'à arriver à Okweke. Est-ce que tu l'as vu? La chose la plus importante est d'arriver à la maison. Nous irons à la maison. Donc, maintenant, nous allons à la maison. Hein? Donc, après tout le stress, après toutes ces choses, nous n'allons plus rencontrer la princesse. Calme-toi. C'est moi qui veux voir la princesse et non toi. Hey, ce n'est pas vrai, mon Dieu. Ce n'est pas vrai, mon Dieu. Quelqu'un est vraiment un imbécile. Hein? Je suis ami à une personne folle. Pourquoi? Ça, ce n'est pas vrai. Mon ami. Mais est-ce que tu sais que deux fois le rêve se réalise? Je sais. Un rêve devient une réalité. Et devine quoi? Quoi? La princesse est là. Oh. Ne mens pas. Peux-tu d'abord princesse? Regarder? Bon. Salutations, princesse. Bonjour. Bonjour à vous. Bon anniversaire, princesse. Oui, princesse. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Même mes parents ont oublié que c'était mon anniversaire, dis-moi. Comment tu le sais? Vous êtes une princesse, alors c'est tout à fait normal aux hommes ordinaires comme nous.
de bien retenir votre date d'anniversaire. C'est étrange. Oui. Ok, merci. Avant que vous partiez, un tout petit cadeau d'anniversaire. Pour moi, à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, oui. Maman. Joyeux anniversaire, princesse. Merci beaucoup. Oui. Ça me rappelle. Bon anniversaire, princesse. Bon anniversaire, princesse. Ah, pour vous, de lui, à vous, cadeau d'anniversaire. Tout ça pour moi? Oui, c'est à vous. Waouh! Et puis, cette viande est vraiment ma favorite. Ah. Mais je ne savais où la prendre. Comme vous me connaissez, la viande sauvage n'est plus un problème pour vous. Au cas où vous en avez besoin, appelez-moi. Si vous pensez à la viande sauvage, pensez à nous. Oh, vraiment? Mon nom, c'est... Chikelwe. Les gens m'appellent Chikelwe, les chasseurs. Et celui-ci, c'est mon meilleur ami, Ozo. Ozo, les grands. Ozo, voici la princesse. Je retrouve maintenant les sourires. Merci beaucoup. Merci. Oui. Tu peux prendre ça. Merci, princesse. Merci d'avoir accepté nos cadeaux. Nos cadeaux. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Merci. Je vais partir maintenant. Ok. Bonne année, princesse. Merci. Chikelou, mais pourquoi ne peux-tu pas être raisonnable? Hein? Tu as donné tout notre gibier à la princesse. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi? Est-ce que tu entends bien ce que tu dis? Je ne l'ai pas donné à n'importe qui. Je l'ai donné à la princesse. Et dis-moi, c'est quoi la princesse? Hein? Pourquoi tu as donné toute notre viande à la princesse et tu dis que la princesse est la princesse? Pourquoi tu as donné notre viande? Ok, d'accord, tu lui as donné ta part. Mais pourquoi pouvais-tu prendre la mienne? Et tu es juste un méchant. À chaque moment, tu parles la princesse. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec la princesse? Ozo les grands. Je ne sais pas pourquoi tu te fâches. Je ne l'ai pas donné à n'importe qui. Je l'ai donné à la plus belle princesse. Oh, donc maintenant tu es en train d'essayer de me dire que toutes ces nuits passées, hein, pour chasser les animaux, différentes sortes d'animaux, nous étions juste en train de le faire que pour la princesse, hein? Écoute, peu importe ce que tu peux donner à cette princesse, spécialement à cette princesse, sache que c'est une grande bénédiction pour nous. C'est bon, donne-moi maintenant ma bénédiction. Remets-moi ma viande. Remets-moi maintenant ma viande. Tu n'es plus Ozo le grand. Je suis le grand. Uh-huh. Mais comment allons-nous faire pour trouver une autre viande maintenant? C'est ça le problème. Regarde, j'ai l'arme. Je suis fatigué de tirer haut. Je vais tuer pour toi. Ne te fâche pas. Est-ce que as-tu vu comment la princesse était belle? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Regarde. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ebenike? Il essaye d'agir comme s'il était un infirme. Ah, ah. Que cela veut dire encore cette bêtise? Tu te moques de la princesse? Je suis votre princesse. Je suis venu prendre ma part de la viande. Est-ce que peux-tu t'entendre de toi-même? N'as-tu pas honte de toi-même? Ebunike, tu as l'audace de te moquer de la princesse. Et qu'est-ce que tu peux faire de ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde-moi ça. Tu te prends pour un homme? Regarde-toi d'abord et dis-moi la vérité, est-ce que tu es un homme? Hein? Je ne suis pas là pour disputer avec toi. Premièrement, tu nous as bloqué le passage et deuxièmement, tu te moques de la princesse. Et qu'est-ce que tu peux faire de ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux bien faire de cela? Écoute, Chikelou, bien que tu aies munie de ton arme, je peux te frapper même ton ami, rien ne m'arrivera. Hein? Tu frapperas qui? Tu frapperas qui avec Ozo? Hé, hey, qui est en train de parler? Y a-t-il quelqu'un qui a parlé quelque chose? Regarde-toi, après avoir fait toute ta chasse, les petits castors que tu as eu la chance d'abattre, ça a été pris par une femme, vraiment une femme, une handicapée. Arrête! Arrête! N'ose plus encore l'appeler ainsi. Non, je ne te le permettrai pas. Chikelou. Chikelou. Hey, Chikelou.
C'est à moi tu pointes du doigt? Hein? Moi, Ebunike. Bien, je devrais tous vous tuer. Mais une seule chose, vous n'êtes pas important. Bam, ce serait un manque à gagner. Sinon, j'allais tous vous tuer, car bien même vous avez des armes. Ebunike, ce que je peux te dire, c'est que ces gens n'ont pas besoin de notre petite causerie. Écoute, laissons-les et partons. Toi, tu ferais mieux de parler d'autonomie, est-ce que tu m'entends? Désolé. Chikelu, écoute-moi, je t'ai dit. Tu as eu l'audace de me pointer ton doigt. Écoute-moi, je t'ai dit. Vraiment, tu as mâché un gros morceau que tu ne peux pas avaler. Je te reviendrai. Merci. Tu sauras pourquoi je m'appelle Ebunike dans ce village. Merci. On ne veut pas acheter ton marché, hein? Désolé. Bye bye. Je n'ai jamais vu une bonne personne comme lui. Je ne peux pas imaginer. Ces cadeaux qu'on t'a remis, juste parce que tu as fait un tour au marché. C'est vraiment une bonne personne. Et il m'appelait à mon second nom. Mais comment peux-tu le connaître ça? Ma princesse, pourquoi es-tu si surprise qu'une personne te connaisse? Je pense que tu es la princesse de ce royaume et je crois que tout le monde doit connaître sur toi. Jusqu'au point de connaître mon anniversaire, c'en est de trop. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ma princesse, je crois qu'il faut jeter cette nourriture maintenant. Qui connaît leurs intentions? Ma princesse, ça peut te faire du mal. Relax. Tu ne trouves pas que c'est bien? Et il est courageux. Je ne pense pas qu'il a de mauvaises intentions. Ebunike a eu l'audace de nous barrer le passage aujourd'hui. Hein? Je devrais les tuer. Hein? Juste une minute. S'il savait ce qui est mieux pour lui aujourd'hui, si j'avais, peu importe le sacrifice, j'allais les tuer aujourd'hui. Inutile. Je sais pourquoi je m'étais calmé. J'ai une raison. Je sais pourquoi je parle de sa vie. Regarde comment on entend de parler. Tu allais tuer qui? Je devrais tuer Ebunike. Est-ce que c'est parce que le film La cigarette indienne? Est-ce qu'il est le seul à fumer la cigarette indienne? Hé! Hey! Certaines personnes sont terribles. Donc après t'avoir sauvé d'entre les mains de cet homme, au lieu de chercher à me remercier en entrant à la maison, en apportant de la nourriture et de la viande pour que je mange, et maintenant tu es en train de crier. Comme si je t'avais laissé face à face avec Ebunike, tu allais le frapper. Même si tu fumais n'importe quoi dans tous ces mondes, même si tu fumais de l'herbe indienne, il faut savoir que cet homme est plus fort que toi. Il est plus raisonnable que toi, ce garçon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que toi, tu t'entends vraiment ce que tu dis? Regarde-toi d'abord. Tu diras demain que tu es mon meilleur ami. Ose le grand. Est-ce que le grand peut trahir? Je te pose la question. Je n'ai jamais vu un grand homme trahir son compagnon. Toi, tu es la première personne, traître. C'est ce que c'est tu es. Tu m'entends? Attends. Comment veux-tu de m'appeler? Un traître. C'est ce que tu es. Je suis un traître. Tu es un traître. Tu es supposé être pour Écoute, moi. Écoute, j'ai toujours été silencieux. J'ai toujours été silencieux depuis longtemps. Concret là, maintenant écoute-moi. Laisse-moi maintenant t'expliquer mes pensées parce que je suis très fâché contre toi. Cela ne me concerne pas. Comment oses-tu m'appeler un traître? C'est ce que tu es. C'est toi qui m'appelles traître. Tu es un traître. D'accord, c'est bon. Aujourd'hui quand nous sommes allés chasser à la brousse, l'animal que tu as tué, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Tu l'as donné à la princesse. Et comme si cela ne te suffisait pas, tu as encore pris ma part pour que tu la donnes à la princesse. Maintenant laisse-moi te demander mon ami. Entre moi et toi, c'est qui le plus grand traître? Hein? C'est qui le plus grand traître? Regarde-toi! Au lieu plutôt de t'excuser pour ce que tu as fait, tu es là en train de dire n'importe quoi. Mais jusqu'à m'appeler traître. Elle est où ma viande? Elle est où ma viande? Apporte-la-moi. Désolé. Le plus grand traître. Ça te réjouit de m'appeler ainsi? Comment oses-tu? Calme-toi, je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Je ne l'ai pas fait pour t'énerver juste à ce niveau. J'ai cherché tout simplement la rencontrer et la saluer. Tu sais,
j'avais perdu les contrôles. Je n'étais pas même capable de la parler quand mes yeux l'ont vue. J'ai cru que si j'ajoutais, tu sais, mon gibier et le tien ensemble, tout simplement pour la valoriser. Je crois juste que tu n'étais qu'un bébé qui pleure. Mais je ne savais pas que tu pouvais juste mentir. Hein? Donc maintenant tu es monsieur mensonge pleure, ou bien monsieur pleure mensonge. Et c'est quoi ton problème? Donc ce n'est qu'une simple veine de la bosse qui t'a mise en confiance pour parler à la princesse. Hein? C'est une simple veine de bosse et maintenant un donneur de confiance. Pourquoi veux-tu rajouter ma part? Donc tu voulais une double confiance? Non, ne te fâche pas. Tu sais, je suis désolé. Je t'ai vraiment emporté. Je suis désolé. C'est bon. Laisse-moi d'ailleurs te demander. Comment as-tu fait pour savoir qu'aujourd'hui est le jour de l'anniversaire de la princesse? Hein? La princesse est en colère contre moi. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit heureuse? Honnêtement, Chikelo, la princesse et la royauté, tu es juste un ordinaire. Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire la princesse? Tu as saisi toute opportunité pour m'insulter. Attends. Ce n'est pas ça que je pense. Tu penses à quoi? Dis-moi. Parce que si c'est ça, tu seras disgracié et banni de cette communauté. J'aime seulement la princesse. Je n'ajoute rien et je ne retranche rien. J'aime la princesse. Est-ce que c'est mal d'aimer votre princesse? C'est vrai? Bien. Si tel est le cas, je pense bien que ça ne tiendra pas. Vu ton état de la pauvreté, je ne pense pas que tu peux affronter la princesse, peu importe ce que tu penses. Nande, c'est quoi ça? Est-ce qu'il te faudrait saisir toute opportunité pour m'insulter, pauvre? Je le sais, ne me le rappelle pas, mais aide-moi. Bien, demain c'est son anniversaire. Alors, apporte-lui un cadeau. Demain, c'est son anniversaire. Merci, Nandi. Je t'en prie. Merci. Pardon, tu peux t'en aller avant que le roi te voie. C'est bien, Nandi, je m'en vais. Pardon, allez-y. Demain, c'est son anniversaire. Oui. Merci, je t'en prie. Je le savais. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'avait pas étonné. Lorsque je vais demander de prendre la route qui va vers la ferme de la princesse, afin que tu arrives à accomplir ta mission comme ça, tu ne m'as même pas dit ton ami. Tu es un ami très méchant. Tu es une personne méchante. Pardon, je dis que je suis désolé. Je ne m'attendais pas même de lui donner tous les déjubiés. C'est arrivé d'emblée. Oh, c'était juste arrivé, n'est-ce pas? C'était juste arrivé automatiquement. C'est bien, ça s'est passé que tu as pris ta part et que tu la lui as donnée. Je ne me plains pas. Tu as encore pris la mienne et tu as même demandé à la princesse de prendre. Et même si j'avais refusé, même si je persistais que je ne voulais pas donner à la princesse, qu'allait se passer la prochaine fois que la princesse me verrait? Elle allait commencer à me regarder m'appeler une mauvaise personne. Et quand elle te verra, elle dira que tu es une bonne personne. C'est ça, n'est-ce pas? Un traître. Désolé, je t'ai dit que j'étais naïf. Je ne pensais pas vraiment lui donner tous les deux. Tu sais, je t'ai emporté. Vraiment, par sa beauté. Tu dis quoi? Tu as été aveuglé par sa beauté? Tu es un menteur. Est-ce que je dois te dire ce qui t'avait aveuglé? L'imbécilité et la méchanceté. Tu es une personne méchante. Tu es une personne méchante. De tout le jour que nous sommes allés chasser, c'est si la première fois que nous avons obtenu un tel résultat. Et qu'as-tu fait de ça? Tu l'as juste donné comme ça, monsieur le bon samaritain. Tu l'as juste donné comme ça. Laisse-moi juste te dire quelque chose maintenant. Et maintenant là. Je ne veux plus te voir te rapprocher de moi n'importe où. En fait, c'est aujourd'hui que prend fin notre amitié. Je te l'ai dit. Attends. C'est quoi? Mais pourquoi tu me rejettes comme ça? N'essaye pas de me toucher. Attends. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est comme ça que tu peux rejeter notre amitié? Écoute-moi. Ce n'est pas de cette manière que doit s'arrêter notre amitié. Nous ne sommes pas amis. Est-ce que tu m'as entendu? Nous ne sommes pas amis. En fait, je suis fatigué d'être ami avec des gens stupides comme toi. Je suis fatigué. Tu n'es qu'un traître. Ah. Laisse-moi seul. Ozo, je dis que je suis désolé, désolé. Oh, si tu veux me tuer, ce n'est pas maintenant. Au cas où Omunike revenait avec l'intention de me tuer, tu seras là pour me sauver. Oh. Donc tu reconnais qu'il peut revenir te tuer. Mais tu n'as jamais pensé à ça.
Hein? Plutôt, je t'entends de hausser ta voix, criant par-ci, par-là. N'importe quoi. Va alors le battre, non? Non, va le battre qu'il te finisse. Pardon. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais réagir. Il humiliait la princesse. Qu'est-ce que moi je devais faire? Est-ce que je devrais fermer ma bouche et le laisser continuer? Je devrais réagir. Tu devais agir. Mais ce qui pleure à tout moment, tu devais agir. C'est bon. Va appeler la princesse et commence à agir à partir de maintenant. N'importe quoi. Et écoute, attends, je te dis quelque chose au cas où tu l'as déjà oublié. Ebonique est une mauvaise personne. Hein? Il est vraiment une mauvaise personne. Il est un occultiste. Et il n'est pas seulement occultiste. Il est la tête de Dieu. Combat ton combat. N'importe quoi. N'essaye plus jamais de m'appeler. Ebonique, que sommes-nous venus faire à cet endroit? Attends, ce n'est pas la bonne manière de penser l'argent que tu as gagné. Et pourquoi ne pas essayer de garder le peu d'argent que tu as gagné? Ebonique, c'est ton argent? C'est ton argent? Ne reste pas silencieux, réponds-moi. Attends, à cause de cette petite monnaie, laquelle j'ai dépensée aujourd'hui, et tu fais les bruits, tu cries. Écoute-moi, je t'ai dit, l'argent que nous mangeons ne nous tuera pas. L'argent qui changera notre vie viendra ailleurs. Alors bouffe-les quand tu es encore en vie. Hein? Eh Bonique, 500 000 naira, tu l'appelles un petit changement? Hey! Écoute-moi, je te pose la question. Pourquoi tu pleures pendant qu'il n'y a pas d'œil? Écoute, pourquoi tu te plains? Écoute-moi, je t'ai dit, l'argent dont je dépense, c'est mon argent. Et j'ai la foi, plus je dépense et plus ça vient. Écoute-moi bien, de maintenant là, je vais t'amener au supermarché. Tu vas choisir les histoires dont tu veux. Tu en choisis trois, je vais payer pour toi. Je vais payer. Pour moi. Ne te plains pas, écoute-moi, je t'ai dit, plus tu dépenses l'argent, plus l'opportunité de l'argent vient te rencontrer. Parce que si tu dis que tu ne vas pas dépenser de l'argent, tu vas te bloquer là et tout ce que tu as, ça va finir. C'est mieux de le dépenser et le vider et permettre à un autre moyen de t'atteindre. Je suis juste en train de te conseiller. Oh. Conseille-moi. Je ne suis qu'en train de te conseiller. Oh. Dis-moi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il est où ce barman? Barman? Viens servir tout le monde. Appelle-le qu'il vienne. Monsieur. Barman. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Tu as dit que je peux boire. Dis-lui, qu'est-ce que tu veux? Tu as dit que je peux boire. Hey! Apporte-moi une grosse bouteille. Oh! Quelle bière, monsieur? La grosse bouteille. Celle-là. Apporte-moi celle-là, la grosse bouteille. Oh, tu veux même prendre de la bière? Mais je ne fais que ce que tu as dit. Serre tout le monde. Tu donnes à tout le monde ce qu'il veut. C'est moi qui vais payer. J'ai de l'argent. Que voulez-vous prendre, monsieur? Donne-moi une bouteille d'Anakin. Donne-la moi. Je commence à boire avec ça. Hey! Fais aussi ta demande. Tu es là, tu ne dis rien. Maman! Ah! Bonjour, Now. Maman. Où étais-tu passé ce matin? Maman, je t'ai occupé. Je sais que maintenant, là, tu vas aller à la cuisine préparer à manger. Bien sûr. Laisse-moi te dire, maman, aujourd'hui, il n'y a rien que tu vas préparer dans cette maison. Pourquoi je ne veux pas préparer dans ma maison? Parce que je ne veux pas que tu prépares. Regarde. Ça, c'est 50 000 naira. Hein? Prends ça. Tout ce dont tu veux acheter, tout ce dont tu as besoin, dépense-les. Et je veux que tu entres à l'intérieur. Prépare-toi, je vais t'amener chez maman qui est pour la restauration. Hein? J'ai besoin de te nourrir très bien aujourd'hui. Moi? J'ai besoin de te nourrir. Après avoir été payé à manger, je vais te payer à boire toutes sortes de On y est campusé. Attends d'abord, Ebonique, dis-moi, d'où provient tout cet argent? As-tu cassé une banque? Hein? Maman, pourquoi tu peux dire de telles choses? Je sais que j'ai toujours fait des petites choses, des petites choses dans ce village. Je sais faire un champion. Mais je pense que je n'ai pas eu une mauvaise pensée d'aller voler à la banque. Je ne peux pas arriver juste à ce niveau. Attention. Bien sûr, maman, je pense que tu me crois. Parce que j'ai toujours respecté ma mère. Oui. Comme le dit la Bible. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tes jours seront longs. Maman, vas-y te préparer pour que nous partions nous réjouir. Je vais te plaire aujourd'hui. Oui, tu l'as bien dit, je l'ai ici. Mais dis-moi, B, où as-tu trouvé cela? Je vais te le dire, maman. Calme-toi, maman. Dis-lui de la manière dont tu as trouvé cet argent. Cet argent que tu lui as donné, dis-lui de quelle manière tu l'as eu. Comment l'as-tu eu? Des deux hommes. Oh, n'ose même pas m'appeler. N'ose pas surtout m'appeler. Ebonique, depuis que ton père
mon frère est mort. Je t'ai pris comme mon fils. Je t'ai protégé. J'ai coopéré avec vous au point que je t'ai laissé même gérer une partie de mes terres. Maintenant, c'est comme ça que tu me payes. Dis-moi, est-ce qu'il faut me payer de cette façon? En vendant l'unique terre qui m'appartenait. Hein? L'unique terre qui appartenait aux frères de ton père. Tu l'as vendue à 500 000 naira. 500 000. Mais qu'est-ce que ça fait? Qui es-tu pour m'interroger? Dis-moi. Qui es-tu pour m'interroger? Est-ce bon moi? Mon père, mon défunt père, ton frère aîné, était le premier fils de cette famille. Écoute-le très bien. Et maintenant, il n'est plus. Moi, son fils, je tiens de son autorité, étant son fils aîné de cette famille. Si mon père était en vie, c'est lui qui devrait premièrement choisir, pas toi. Bam. Tu viens après lui. Alors dis-moi, comment dois-je te présenter mes excuses ou mes explications que j'ai vendu la terre de mon père, ma terre? Cela, ça te concerne? Oh oh! Maman, regarde-moi ça! Oh oh! Ouza! C'est parce que je ne veux plus te suivre. Tu m'as insulté la dernière fois qu'on a échangé. Je ne veux plus te donner ces plaisirs-là parce que tu ne le mérites pas. Tu m'as bien compris, mais pour ces cas, je vais parler parce que tu commences à dépasser les bornes. Mon fils est l'unique enfant de son père, mon défunt mari, qui est ton grand frère et le plus grand de toute cette famille. Oui, maman, peut-être il a oublié. Donc, il a tout le raison d'utiliser, de dépenser, de disposer et de faire tout ce qui le plaît dans les propriétés de son père et même dans ses terres. Alors tu n'as aucune raison de venir ici avec tes deux pieds dans ma parcelle pour aboyer comme un chien. C'est ce que tu as comme à dire? Je dis ce que je pense. Attends où? Ouzo, dis-moi ou quoi que tu t'appelles toi-même. Je ne sais pas comment les gens t'appellent. Laisse-moi te poser une question. La terre dont tu fais allusion, cette terre dont tu étais en train de faire des bruits criés à propos, tu la défends pour qui? Oh, oh! C'est ça pour la question. Tu la défends pour qui? Est-ce que tu as même un enfant? Demande-lui. Est-ce que tu as même un enfant? Eh ben quoi, non? Attends, je te pose la question. Combien d'années penses-tu qu'il te reste encore dans cette vie avant d'aller rejoindre tes ancêtres? Et tu es ici en train de parler de la terre sans aucun enfant? Je suis sûr qu'il n'a même pas de miroir dans sa maison. Non, maman. Sinon, il allait bien se mirer avant de venir maman, ici. Cette moustache qu'il a, me rend confus. Aussi longtemps que je peux me rappeler, ta femme n'a jamais eu même ce petit courage de me parler d'un garçon. Ta femme n'arrive pas à donner naissance. Vous n'avez rien. Attendez. Ok. Pas de problème. Hein? Apprêtez-vous de venir au palais et répéter tout ce que vous venez de dire. Oui, vous savez bien la punition. Vous savez bien les conséquences de vous moquer de quelqu'un. Ne vous en faites pas. Vous viendrez au palais et répéter tout ce que vous venez de dire. Nous savons. Mais je t'ai dit, tu ne feras rien. Tu ne me feras rien du tout. Nous verrons. N'ose plus m'appeler à la prochaine. Quitte ici. Écoute, calme-toi. Tu as entendu ce que cet homme a dit? Hein? S'il part réellement au palais et répète tout ce que nous avons dit ici chez le roi, nous aurons de très grands problèmes et on risquera d'avoir de punitions et pourquoi pas être banni. C'est vrai ça, maman? Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Vite! Suis-le, va l'arrêter. Il ne peut pas arriver au palais pour le dire au roi. S'il te plaît, ouvre les yeux. J'arrive, maman. Ça, c'est mon fils. Je le connais. C'est mon fils que tu veux créer des ennuis. Hey! Trop, c'est trop. Je veux les accuser. Ils subiront les conséquences de leurs actes. Finalement, ils seront bannis dans ce village. Non, je ne peux pas me taire.
Mon fils. Maman. Dis-moi. Maman. C'est comment? Maman. Dis-moi, tu as pu l'arrêter? Non, maman. Hey! On est perdu, oh. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé d'accepter tes excuses. Hey! Hein? Maman, calme-toi. Maman, calme-toi. Je pense que tu devrais d'ailleurs m'écouter. Même avant si de... je t'écoutais. Même si je t'écoutais. Maman. Nous aurons juste des problèmes. Maman, écoute. Hein. J'étais capable de l'attraper. Il est paralysé. Alors, je l'ai tué. Et pour dire oui, maman. Tu l'as tué? Maman, c'était l'unique façon à faire. L'unique solution qui est restée. Et vous dites que tu veux aller en enfer? Non, maman. Tu veux aller en enfer? Non, maman, j'ai besoin d'aller au ciel. Mais, j'espère que personne ne t'a vu. Non, il n'y avait personne. Personne ne t'a personne. Vu? Personne. Très bien. Écoute, tu iras au paradis. Tu iras merci, au paradis. Maman. Tu vois, hein? Nous devons bien en finir avec lui. Maman, je l'ai déjà fait. Je l'ai tué. Ce n'est pas totalement fini. Laisse-moi te dire. Quand les gens vont découvrir qu'il a vendu ses terres et qu'il a trouvé la mort en rentrant chez lui à la maison, il y aura des spéculations et tu sais que c'est dangereux. Tu as raison, maman. Vraiment, tu as raison. Ça, c'est bien parce que je vais aller au paradis. Alors, tu dois partir pour bien finir ce que tu as fait. Laisse-moi te dire, cet homme, tu n'es pas le seul à le tuer. Il devait mourir avant même d'arriver ici. Alors, ce qui s'est passé est que ton oncle est juste mort. Donc, tu dois l'enterrer. Allez, va prendre la pelle. Oh, maman, la bêche. Va prendre ta pelle, tu dois aller enterrer ton oncle. Ah. Oui. Hey, maman. Je pars prendre la bêche. Écoute, laisse-moi te dire, essaie de te calmer. Tu n'as pas tué ton oncle. Ton oncle est juste mort. Et toi, tu pars juste l'enterrer. Souviens-toi, honore ton père et ta mère. C'est alors que tes jours seront longs. Tu ne veux pas vivre longtemps? J'ai besoin de vivre tu longtemps. Tu ne veux pas aller au paradis? J'ai besoin d'aller au ciel. Très bien, alors obéis-moi. Va prendre ta pelle et va enterrer ton oncle. Oui. Oh, Yaya, dépêche. Ozo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de ta maison. Et attends. Je viens de chez toi. Ta mère m'a dit que tu étais allé puiser de l'eau. Oui, j'étais parti puiser de l'eau. Et c'est quoi ton problème? Arrête de venir chez nous. Je ne veux plus du tout te voir là-bas. Ozo. Je viens de te chercher chez toi. Je ne t'ai pas vu. J'étais parti puiser de l'eau et quoi? Pourquoi me suis-tu parti par là? Ozo, hein? Pourquoi? Ozo, tu as toujours la colère. Pardon, je ne comptais pas donner ta part à la princesse. Hein? C'était qu'une erreur. Je sais que c'est une erreur. Donc tu le savais, hein? Mauvais garçon. Je suis désolé. Tu n'es qu'un traître, un imbécile, un animal. Non, tu peux alors porter mon nom, non? Non, tu peux porter mon nom et donner à la princesse. Vas-y, prends alors. La princesse n'a pas besoin de l'eau de la rivière. Elles ont de l'eau potable à la maison. Vraiment, ne te fâche pas. Je suis désolé. Désolé, tu en auras beaucoup, je te promets. Écoute, laisse-moi te le dire maintenant. Ebonique est en train de te chercher. Il veut te tuer. Je sais. Il veut te dévorer. Rappelle-toi aussi... de la dernière chasse que nous avions faite. Je mâchais seulement la bouche. Tout ce que je disais, c'est parce que tu étais là. Je t'avais dit que j'étais un grand homme. Tu vois, je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de sortir des bêtises venant de ta bouche. Je sais. Pendant que je n'ai même pas de force, la seule chose que tu sais faire, c'est de pleurer. Pleurer. Va le battre, non? Non, va maintenant battre Ebonique comme un homme. Alors, je suis un homme, n'est-ce pas? Tu veux perdre ton ami? Nous devons combattre ensemble. Hein? Juste comme on le faisait depuis notre enfance. On le faisait ensemble. Tu sais qu'il ne peut pas nous défier, nous deux. Tu le sais. Alors laisse-moi rentrer à la maison de poser de l'eau. Tu peux combattre ton combat. Rappelle-toi, tu es un grand homme. Un grand homme se bat pour son ami. Ozo le grand. Grand.
Grand. Maintenant, nous pouvons aller avec cette brouette jusqu'à ta maison. Allons réfléchir comment nous allons défier Obudike. Tu es grand. Oso le grand. Pas. Le grand. Chikil, dépêche-toi, non? Attends-moi, j'arrive. J'ai presque fini avec ces pièges. Oh, mais allons-y, non? Ah, je finis, je viens. On ne peut pas passer tout un jour à faire ceci. Je suis fatigué, j'ai faim. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Hein? J'arrive, je dois mettre un autre piège quelque part. Tu pars mettre un piège où ça? Allons-y à la maison. À la maison? J'ai encore beaucoup de pièges que je vais mettre là-bas. Regarde là-bas. Je pense que je vais attraper un animal là-bas, là. Est-ce que ça va? Hein? Quelque chose ne marche pas avec toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres pièges que j'avais déjà installés? Celui de Coucou, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Et celui que je vais placer du côté de Chem, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quoi ça? Veux-tu remplir tous ces villages avec tes pièges? Attends un instant. Ces Doutoutou appartiennent à ma mère. Et ces Doubouchiers appartiennent à ta mère. Alors j'ai besoin de mettre ces spéciales pièges pour celle qui est spéciale. Ah ah! Une personne spéciale? Un piège spécial pour une personne spéciale? Et c'est qui cette personne spéciale que je ne connais pas? Il n'y a pas la plus spéciale que la princesse. Hey! Chikelou? Oui? Est-ce que ça va? Je suis normal. La princesse encore? Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu as perdu ta tête? Hein? Est-ce que je perds ta tête? C'est bien. Tu es mon ami. Hein? Si tu veux te sentir comme un homme, dis-le-moi. Fais-le-moi comprendre, comme ça je te dirai ce que tu peux faire. Ces genres de choses que tu es en train de faire ne sont qu'enfantins. Si tu as vraiment besoin de la princesse, essaie d'être ouvert à elle et fais-lui vraiment savoir toutes tes intentions. Mais je n'ai pas une intention spéciale. J'aime vraiment la princesse parce qu'elle est... Elle est une bonne personne, je pense. Peut-être j'ai fait tout ceci pour elle. C'est vrai qu'elle est belle, mais tu dois quand même aussi être ouvert à elle. Parce que tu es un homme. Ne laisse pas comme si tu ne faisais rien parce que tu n'as pas de sens. Hein? Tu as une tête, et tu es mon ami, et tu dois agir vraiment comme une personne mature. Ozo, je ne peux même pas penser faire quelque chose avec la princesse. Je veux dire, je suis rien, un chasseur ordinaire. Je suis en train de montrer à la princesse mes pensées. Ce que je pressens, je l'aime. C'est une personne que je considère comme ma sœur. Donc c'est seulement que je la préfère. Je l'aime. Juste comme ça. Oui, permettez-moi de mettre ces spéciales pièges. Pour celle qui est spéciale. Vas-y toi-même, on se retrouve à la maison. Non, tu vas m'accompagner, on fait les choses ensemble, tu as oublié? Je fais des choses ensemble avec toi, mais pas de choses stupides. Je ne fais pas les choses stupides avec toi. Va faire tes choses stupides là-bas, pendant que moi je vais aller à la maison faire quelque chose de plus raisonnable. Oh, excuse-moi. Grand. Ose le grand, pardon. Juste celui-ci. Pour celle que spéciale. Pardon. Le grand. Ose le grand. 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 Ce n'est pas du tout facile. Oh. Tout le jour, du boulot. On ne peut pas arrêter de se poser des questions un jour parce que tout va bien. Je fais quelques semaines. Mes yeux n'ont pas vu la princesse. J'ai besoin de la voir encore. Ça fait 2 semaines que mes yeux n'ont pas vu la princesse. Tu vas encore la voir? Et puis quoi? Hein? Attends d'abord, laisse-moi te demander. Qu'est-ce que tu as à faire avec la princesse? Hein? C'est quoi cette affaire? Qu'a à faire le personnage de basse classe avec ceux de la famille royale? C'est quoi ce que tu parles? Ah, est-ce qu'il faudrait que j'aie l'affaire avec la princesse avant de la voir? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, parce que tout ceci devient intenable. Et je pense que nous avons maintenant besoin de ta mère pour qu'elle vienne gérer ses problèmes. Maman? Hé! Hey, maman? Ozo! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le papa avec toi? Je t'ai dit tout ceci parce que tu es mon ami et toi tu parles de dire à maman. Mais j'essaie de l'appeler pour que nous essayons d'avoir une conclusion finale à propos de ta folie. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec toi, ça devient ingérable. À chaque jour tu ne parles que de la princesse. Le matin, la seule chose que j'entends, c'est la princesse. En après-midi, je vais voir la princesse. Et même le soir encore, tu vas encore voir la princesse. Et même le jour suivant, la princesse revient encore. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi ton problème avec cette princesse? Tu ne peux pas la voir. Vous ne pouvez rien faire ensemble. Vous n'avez pas le même niveau. Tu ne feras qu'accélérer ta mort. Reste sur ta bande. La seule chose dont je veux que tu puisses te concentrer maintenant, c'est que tu prennes soin de ta mère, que je la rende heureuse. Essaie un peu d'oublier cette princesse. C'est quoi tout ça? Au lieu de penser à comment avoir l'argent pour aller en ville et devenir quelqu'un de valeur, tu ne te mets qu'à penser à cette princesse, que tu ne seras même pas aimée. À quoi ça sert? Ah, je pense que je dois maintenant appeler ta mère parce que nous devons finir avec cette folie. Parce que c'est vraiment clair que... Qu'il y a un mystère qui se passe dans ta tête que tu ne connais pas. Ozo, il n'y a pas de la folie. Or, il y a seulement le mystère. Ok? Ce n'est pas un mystère? Tu penses que ce n'est pas un mystère? Il y en a. Ce dont j'ai besoin de faire maintenant, c'est d'aller tout droit à son champ ou l'attendre ici. Je pense que le papa a passé sans me faire un câlin. Mon Dieu! Est-ce que tu es malade? Hein? Est-ce que ça va? Écoute, mon frère, nous devons être très très prudents. Tu as déjà une femme, une maman, dont tu es en train de prendre soin d'elle. Et tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de te concentrer à penser sur elle et non à la princesse actuellement. La princesse n'est pas de ton rang. Toi et la princesse, vous n'avez rien du tout en commun. Mais tu es mon ami, hein? Et je pense que j'ai une très très bonne solution pour tout ça. Dois-je te le dire? Bien sûr, oui. Mais tout le monde me connaît dans ces villages, non? Je suis le résolveur de tout le problème. J'ai la solution pour toutes sortes de problèmes. Transmets-moi cette manière de trouver la solution que tu as. Je vais te donner mon gibier aujourd'hui. Hein? Oui. Es-tu sérieux? Tout ce que je vais attraper en brousse. Attends, ça devient sérieux. Tu veux dire que tu vas me donner tout ce que tu vas chasser dans la brousse? Je ne t'ai jamais menti. Tu me connais très bien. Même l'antilope? Je vais te le donner. Et le lapin? Ça sera pour donc toi. Donc tout. Mon cher ami, maintenant écoute. Tu sais que je suis Ozo le Grand. Alors maintenant, fais attention à tout ce que je compte te dire. Si tu peux au moins trouver un papier, un stylo, tu non, peux l'apporter. Dans ma tête. Et pendant que je serai en train de sortir de trucs, tu peux commencer à écrire. C'est bon. C'est que je veux que tu fasses maintenant. Et je pense que c'est le meilleur conseil pour quand j'étais à aller voir la princesse. Je veux maintenant que tu ailles jusqu'au palais. Ok. Mm-hmm. Et une fois que tu seras au palais, essaye de te camoufler au moins, à côté de la chambre de la princesse. Et juste au côté gauche, il y a un corridor. Oui, c'est là que se trouve un corridor. Est-ce que tu me comprends? Et une fois que tu arrives dans ces corridors, essaie juste de trouver le milieu et mets-toi là. Et si tu regardais à gauche, non, à droite, tu verras le toilette. Sa chambre, c'est là que ça se trouve. Il n'y a aucune manière sur cette terre qui pourra empêcher la princesse de ne pas passer par ce corridor pour aller aux toilettes ou aller dans sa chambre. Tu vois, ce processus, c'est la très très bonne opportunité pour toi pour que tu arrives à dire « Salut à la princesse, je veux te voir. » C'est simple. Mon cher. Ouais. Passe-moi la main, non? Hein? C'est bon alors. Je pensais que tu as quelque chose de bon à dire. Or, tu n'as rien dit. C'est tout ce que tu avais à dire. Hein? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Tu dois le faire parce que c'est la seule option. C'est la seule manière pour que tu arrives à voir la princesse et que tu lui parles. Elle va t'aimer. Tu vois ce format-ci, le format A1. Si tu le suivais juste avant. Tintin, parce que c'est... Essaie quand même de vérifier. Hein? Il n'y a aucun moyen pour que la princesse ne passe pas par ce couloir. Tu vois ce couloir. Tiens-toi juste au milieu. Et une fois qu'elle va sortir, elle te verra. Faudrait que tu ailles et que tu restes là. Ah! Est-ce que je peux te dire quelque chose de très mauvais qui m'est arrivé aujourd'hui? Quoi? D'associer les idées avec toi. Donc, c'est ce que toi tu as à me dire. Puis-je te dire la pire de choses qui m'est arrivée aujourd'hui? C'est d'avoir accepté d'entendre ton histoire stupide et inutile concernant la princesse. N'importe quoi. Comment oses-tu? Hein? Comment oses-tu venir de nulle part pour chercher à rencontrer la princesse? Un instant, Ozo, tu me rappelles. As-tu déjà été au palais? Tu es déjà allé? Parce que je ne sais pas comment tu sais l'entrée, les couloirs, la toilette et les chambres à coucher. Hein? 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 Oui, non. Je suis Ozo le Grand. Bien sûr que je le saurais. De ma petite expérience dans ces villages, dans tout le palais dont je puis entrer, il y a toujours un couloir dedans. Il y a toujours un couloir qui conduit à la chambre de la princesse.
Alors, cette idée, comme étant une grande personne, si tu vas là-bas, j'étais sûr que tu la verras. C'est ça. Tu peux déjà commencer à partir. Entre à l'intérieur, trouve-toi de beaux habits. Tu commences déjà à partir avant que la nuit n'arrive. Lorsque tu sortiras, tu vas me remercier. Vas-y. Je dois te présenter mes esquisses. Donc, tu ne veux plus me donner les lapins? Je suis désolé d'avoir perdu ton temps. Tu m'as fait perdre mon temps en me racontant n'importe quoi. Hein? J'ai perdu mon temps. Tu m'as fait perdre mon temps en me racontant n'importe quoi. Je suis aussi désolé. Je suis désolé d'avoir accepté de t'entendre. Bonjour. Hey! Oh oh yao! Et tu as dit quoi? Tu as pensé à nous aujourd'hui? Ça fait très longtemps. Nous sommes gracieux du ciel. Non! Laisse-moi te trouver. Non. Laisse. Je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps ici. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, pas de problème, ça va. Et je suis passé, je me suis rappelé de quelque chose. Je me suis dit, je viens vous demander. Oui. Il s'agit de quoi? C'est à propos de ton mari, Ozonima. Je suis passé de là et je me suis rappelé que quand je l'ai vu la fois dernière, il m'avait dit qu'il venait ici. En plus, il m'avait dit qu'il venait voir ton fils. Qu'il a un problème familial qu'il veut régler. Ah! Problème familial? Oui. Nous n'avons pas un problème familial. Peut-être il a un autre problème. Nous n'avons aucun problème avec lui. Lui et mon fils, ils s'entendent très bien comme père et fils. Il n'y a aucun problème entre eux. Ah! Attends, as-tu regardé chez son ami là? Je viens présentement de là. Oh! Ah! Mais où peut-il bien être aujourd'hui, c'est dimanche? Ah, écoute, attends, laisse-moi demander mon fils. Pas de problème, ok, demande-le. Ebunike! Ebunike Wam! Maman, tu m'as appelé? Oui. Il t'a dit oui. Bienvenue. Merci, oh. Boudike, et tu as dit que il cherche ton oncle, Ozodima. Il dit qu'il avait dit qu'il avait un problème avec toi la dernière fois que vous avez vu. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il était venu ici à mon absence? Non, maman. Si oncle Ozodima était venu ici à ton absence, je devais finalement t'informer. Oh, as-tu des problèmes avec toi? Ah. Maman, comment je peux avoir un problème avec mon oncle, Ozodima? Oncle Ozodima, je l'ai toujours considéré comme mon père. Oh. Nous traitons bien avec lui, il n'y a pas de problème. Ça paraît vraiment étrange. Tu vois, Naï, mon fils est là où il t'a parlé à propos de lui. Non, nous parlons vraiment bien, vraiment très bien. Il n'y a pas du tout un problème. Je crois que ceci devient étrange. Ces jours-là, les jours que je l'ai vu, il s'est dirigé à cet endroit et il était vraiment furieux. D'ailleurs, je devrais venir avec lui, mais j'avais rendez-vous quelque part. Je m'étais dit que je parte d'abord à ce rendez-vous. Alors, il avait dit qu'il viendrait. Je suis sûr de ce que je dis. Vraiment, je suis sûr qu'il est devenu. Vraiment, je suis sûr. Tu sais, la manière dont tu en parles, franchement, cela m'effraie. J'espère que tout va bien pour lui. Je me souviens. Tu vois ton ami là, hein? Je suis sûre qu'il était parti prendre la bière. Prendre la bière? Oui! Tu connais pas les frères de mon mari, oh? Ozonima est un vrai escroc. Et spécialement quand il s'agit de l'argent. Et il s'en sort jamais, surtout lorsqu'il a l'argent et qu'il se retrouve dehors. Quand il s'agit de prendre la bière, il ne s'en passe jamais, il doit tout finir. Denis, il n'est pas arrivé ici. Oui, oh. Quand il a l'argent, il fait beaucoup de choses sans passer ici. Tu ne le connais pas? Dis-moi, je ne le connais pas. Même quand il vit là où je suis, il ne fait pas de blagues. Je te dis, c'est ton frère, mais on le connaît mieux. On le connaît mieux plus que toi. Je crois que ça suffit, ça suffit. Je crois que nous devons garder silence. Nous devons garder silence. Bien sûr, le silence. Moi, je rentre. Vous devez rester aussi calme. Odin. Et...
Je suis désolée, je ne l'avais pas vu. Sois fort, tu es un homme. Nous allons parler. Baba yo, alors tu as refusé de prendre de l'eau venant de moi. Nguano, baba yo, Nguano mambo. Lila, il ne sait rien. Maman, maman, je pense que nous devons faire attention avec cet homme. Il semble connaître quelque chose. Il ne fera rien du tout. Et celui-là, cet ivrogne, qu'est-ce que tu penses? Ah, il ne fera rien du tout. Allez, il ne m'est pas sûr de ce qu'il dit. Arrête de dépenser ton énergie. Maman. Ne dépense pas ton énergie pour cet homme. Maman, cet homme. Va à l'intérieur, hein. C'est quoi au juste? Depuis que j'étais ici, mais 6 jours déjà. 6 jours passés et je ne vois pas la princesse venir passer. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ma chance. Peut-être elle pourra passer. Si elle passe, je me tiendrai ici et la regarder dans les yeux en disant « Bonjour, princesse du royaume d'Okulu. » Je suis sûr qu'elle va aussi sourire. C'est alors que je dirai ma princesse, il y a de cela 6 jours, si je l'ai dit, elle peut se fâcher. Je vais juste m'arrêter là et dire princesse du royaume d'Ikulu, bonjour. Elle va sourire. Qu'est-ce qui se passe avec Chikenu? Il commence à parler lui-même maintenant. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est ce que je dirais à la princesse. Et quand je la verrai, je dirais, princesse. Princesse. Ça fait longtemps que je ne t'ai... Est-ce que je peux dire ça? Non, je vais dire. Princesse. Comment ça va? Je vais directement l'aborder à propos de l'amour. Comment ça va? Bien. Ma princesse, je suis sûr que vous vous dirigez vers votre champ. Je peux faire avec vous le pas. Vous accompagner. Jusqu'au palais, ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas avec Chikelu? Cette terre est remplie de problèmes et je ne pense pas qu'il en fait partie. Attends, la personne que je connais est devenue fou? Ah, des gens méchants. Chikelu de toutes les personnes, gentil et innocent.
si sa maladie entre les mains de Jean, cette personne doit payer pour sa vie. Ah, ma princesse, ah, permettez-moi de vous garder avec toute ma force. Permettez-moi de vous protéger avec la dernière énergie de mon sang. La dernière énergie de mon sang. Est-ce que je vais crier? Non, je ne crois pas. Lentement et sûrement. Avec la dernière... Chikelu, je suis en train de t'observer il y a maintenant 6 jours. Tu es toujours dans la même position, te parlant toi-même. Est-ce ici qu'on a enterré ton cordon ombilical? Ça fait 6 jours que tu es passé ici, pour la meilleure raison que tu sais. Est-ce que c'est ton cerveau que j'utilise ici? Je suis désolé, oh. J'avais peut-être l'impression que tu étais en train de devenir fou et je m'inquiète. Hé, c'est mieux de continuer ton chemin calmement. Soit tu fais que je le fasse difficile pour toi. Lequel? Je suis désolé. C'est comme si je suis un intrus. C'est juste que je me sentais concerné. Tu peux continuer à parler. Continue d'aller. Tu peux continuer. Continue d'aller. Tu peux continuer. Continue d'aller. Chikelu le parleur. Je ne connais même pas ton nom, vas-y. Parle. Vas-y. Tu peux parler à l'air. Tu peux même t'envoler. Continue, monsieur le parleur. Le marcheur. Princesse, je suis désolée, princesse. Est-ce que je peux vous accompagner? Tu vois ton sourire. J'ai dit ton sourire. Les rend nerveux. Peu importe ce que tu fais, ne va pas leur donner de la joie. Tout ce qu'ils veulent, c'est de te voir dans cette condition de chicole ou bien te voir mort. Les filles en train de corpoter. Toujours. Qu'est-ce que vous continuez à faire ici? Hein? Vous ne faites rien, vous n'avez rien, mais vous vous tenez au milieu d'une ferme. Est-ce que vous êtes venu travailler? Nous sommes ça te regarde en quoi? À propos de Chikedu. Et c'est quoi à son sujet? Ne me dis pas que tu l'as pas vu quand tu passais. Bien sûr que je l'ai vu. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Tu ne vois pas que c'est certain? Chikedu est devenu maintenant fou. On lui a vu parler de lui-même. Comment? Chikedu n'est pas devenu fou. Chikedu n'est pas devenu fou. Chikedu va très bien. S'il n'est pas fou, pourquoi restait-il debout à cet endroit et avec une même position? Et je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas avec lui. Bien, nous ne pouvons peut-être rien savoir à son sujet. Ou peut-être pourquoi est-ce qu'il s'était encore là, en train de s'auto-parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Chikolo va très très bien et peut-être même mieux que vous. Bien, comme tu le dis, alors je m'en vais. C'est mieux. Si tu dis qu'il est normal... Mais c'est lui qui est responsable de ce qu'il arrive. Il va payer de sa vie. S'il te plaît, tu peux arrêter toutes ces insinuations. Et s'il te plaît, occupe-toi de tes affaires. Tu que lui as un problème. C'est pourquoi il parle à soi-même. Vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Presque toute une semaine, la princesse ne passe pas toujours. Je pense qu'elle va bien. Est-ce que je dois aller la chercher au palais? Non, bien sûr non. Je vais dire ça, c'est un danger. Je vais mettre ma vie en danger. Les rois et la reine me tueront s'ils me voient. Oh. Oui, je peux passer même par la voie des médias. Je vais utiliser même les cadeaux de quelqu'un qui l'attend de les restituer. Je dois avoir un nouveau cadeau. Je vais chercher un cadeau pour la princesse et finalement elle la prendra. Ah, je dois attendre les cadeaux et je suis sûr qu'elle l'aura. Souvent la princesse, si c'est à son chemin, normalement elle passe par ici. Pourquoi elle ne passe plus par ici? Pourquoi? Oh, pardon princesse. Princesse, ça fait autant de jours que vous ne pensez plus aller au champ. Depuis que vous étiez passé, ça fait très longtemps. Oh, princesse, venez au champ. Oh, princesse, je suis sûr que vous allez passer aujourd'hui. Princesse, ah, je vais dire, venez, nous devons aller à votre champ. Est-ce que je dois attendre? Oui, je dois attendre la princesse, je dois attendre. S'il s'agit pour la princesse, je dois attendre. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Chikelu.
Je le savais, je le savais. Qu'est-ce que tu sais? Toute chose. Je savais que tu n'étais pas fou. Je le savais. Ozo, tu sais? Oui. Je sais qu'il te fallait un peu du bon goût pour révéler ton vrai visage. Je le savais. Et tu as l'air très bon. Toi aussi? Oui. Alors, sachez que tu n'as plus quelque chose d'important de dire encore. Tu veux continuer? Ne va pas si rapidement. J'ai quand même quelque chose de très important à te dire. Ok. Ne pense pas que j'essaie de te fréquenter. Oh. Je sais que tu dois avoir de très très grands problèmes. Alors laisse-moi les acheter tous aujourd'hui. Merci pour ton courage. Merci pour me suivre de près. Je t'en prie. En particulier, celui-ci n'est pas pour vendre. Peut-être un moment plus tard. Es-tu sérieux? Oui, je suis sérieux. Pas de problème, mais je vais quand même continuer à te dire la vérité. Cet endroit, cette brousse, elle n'est pas bonne pour toi. Alors, s'il te plaît, juste comme je m'en vais, tu peux me rejoindre pour que nous partions ensemble. Oh, merci. Je viens de la même direction. Je pense d'emprunter cette direction. Alors, continue d'aller. Hey! Et dans ce cas, arrête de te parler. Arrête de te parler. Arrête de te parler. Je ne le ferai pas. Et ne l'oublie pas. Je ne vais pas oublier. Arrête de monologuer. Je vais arrêter à monologuer et continue d'aller. Arrête de monologuer. Continue d'aller. Ne l'oublie pas. Arrête de monologuer. Ah non. Ne dis pas que je ne t'ai pas conseillé. Continue d'aller. Sa Majesté, jusqu'à quand allons-nous continuer de fuir la vérité? C'est de quelle vérité que tu es en train de parler? Mon amour, tu sais de quoi je parle. S'il te plaît, ne permets pas que cette opportunité nous échappe. Je crois que c'est une bonne idée parce que je ne dois pas me compromettre. Mon amour, pense-y demain. Ça ne peut pas nous louper comme ça. Tu sais, la vie d'une chose que tu ne peux jamais changer, c'est mieux de laisser à la nature d'en décider. Non, mon roi. La nature a déjà décidé ainsi. La nature t'a donné le pouvoir de choisir et de faire ce que tu veux. Oui, tu as presque raison. Et j'ai le pouvoir d'avoir tout ce que j'ai besoin. Mais je préfère d'accepter ce dont la nature a décidé pour moi. Mon amour, pour cette fois, tu as tort. Mettons d'abord nos sentiments de côté. Accomplis notre vision. Ce dont tu me demandes, ma chère, c'est ce que je ne ferai pas. Mais j'ai déjà parlé. Ainsi soit-il. Qu'est-ce qu'il y a, ma reine? Oh non, aussi à propos de la vérité. Mon mari refuse de répondre à mon désir, celui d'épouser une autre femme qui lui donnera un fils qui sera son héritier. Vous savez qu'il vous aime beaucoup. Votre mari, le roi, il est difficile à convaincre d'épouser une autre femme. Vous savez qu'il vous aime beaucoup, ma reine. Oh non. Ce n'est pas le moment de parler de l'amour. Je veux juste le pousser de voir la réalité en face. Mon mari veut perdre le trône pour lequel il s'est battu pendant beaucoup de temps. En fait, tu sais comment toutes ces choses ont commencé. Oh non, je crois que tu peux m'aider. Tu peux le convaincre à avoir une seconde femme. Ça lui permettra d'avoir un héritier. Et cela ne vous dérangerait pas? Si c'était le cas, je ne serais pas là en train de vous demander de l'aide. Je n'ai pas de problème avec ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un héritier qui succédera au trône de son père. Ma reine, pour être sincère avec vous, j'ai déjà pensé à cela avant vous. Malheureusement, le roi m'avait blâmé. Et il m'avait interdit d'aborder ce sujet une nouvelle fois, jusqu'à ce que les dieux vont décider à ce sujet. Oh non. Ma reine. Si tu arrives à convaincre le roi, je promets te donner ce que tu voudras. Oh, ma reine, ça ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau.
comme vous pouvez le constater, parce que vous êtes loyal à ce trône, ce que vous faites est de protéger notre trône parce que c'est un bon royaume. Ah, d'accord, Ono, je compte sur toi. Je peux faire de mon mieux. Je peux faire de mon mieux. Et ma reine, permettez-moi de vous offrir quelque chose. Oh non, merci beaucoup. Je commence déjà à partir. Merci beaucoup. Je pense que je dois partir. Ozo a raison. Raison à propos de quoi? Et où veux-tu aller? Hein? Raison à propos de quoi? Tu écoutais tout ce que je disais? Si je t'ai entendu. Mais bien sûr. Je veux dire, pourquoi vais-je chercher à t'entendre? J'ai entendu tout ce que tu as dit. Ozo avait raison. De quoi est-ce que j'avais raison? Attends. Est-ce que, maman, c'est que tu es en train de devenir fou graduellement? Ferme ta bouche. De quoi est-ce que tu parles? Qui est devenu fou? Non, mais je me demande juste, pourquoi est-ce qu'un homme énergétique comme toi peut s'éteindre juste tout seul, parlant à lui-même, juste comme ça? Et tu penses que tu ne deviens pas graduellement fou? Ozo, arrête. Ceci est la toute première étape à la folie. Arrête. Et je veux que nous partions chez maman. Pour que nous essayons déjà de lui informer, et une fois que ça passera ce niveau, elle pourrait dire que je lui avais déjà dit quelque chose. Allons-y. Je t'ai dit, arrête. Arrête. Ah, c'est quoi ton problème? Parle-moi, je suis ton ami, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que tu peux appeler mon nom et dire... Ozo avait raison. Je sais que j'ai raison et je sais que tout ce que je fais, je le fais bien. Et c'est pourquoi on m'appelle Ozo le Grand. Parce que je suis un homme juste. Alors, mais ce que je veux savoir, c'est que j'avais fait pour que je te fasse dire « Toi, un homme têtu, que j'avais raison. » Hein? Dis-moi. Et deuxièmement, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'étais sévèrement cherché chez toi à la maison et j'ai d'ailleurs demandé à la maman « Où est-ce que tu étais allé ?» La chose qu'elle me dira après, c'est que tu n'étais pas à la maison. Et même ce jour-là que j'avais travaillé pendant 3 ou 4 heures comme ça, tu n'es jamais venu, je t'avais pas vu. Et après, quand je suis encore venu, la même chose. On continue toujours à me dire la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Et tu ne m'as même pas cherché, peut-être même en venant chez moi à la maison pour me dire « Ozo, mon meilleur ami, voilà ce que je faisais, voilà ce que je compte faire. Et viens me rejoindre dans ces clubs d'affaires pour que nous fassions un peu plus d'argent. » Hein? Pourquoi tu es si égoïste? Et tu te fais aussi appeler mon meilleur ami? Je ne faisais rien de grave, juste... J'étais juste dans la bouse en train de mettre de piège. C'est juste ça. Hey! Un autre mensonge. Le plus grand, et tu es un menteur. Tout ce que tu faisais pendant tout ce temps, ce n'était que d'aller dans la brousse et essayer de poser des pièges, apprendre aux capacités à poser des pièges. À qui est-ce que tu mens de cette manière? Tu es mon ami, hein? Parle-moi. Où étais-tu? Et que faisais-tu pendant tout ce temps? Je t'écoute. Jeune homme, oui. Que cherchais-tu? Je cherche. Je suis venu chercher la princesse. Est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Oui. Non. C'est quoi? Non. Oui. Est-ce que tu as un rendez-vous avec la princesse? Oui. Oui. Oui, j'ai un rendez-vous avec elle. Attends. Cannot pretend from the depth of my heart. I love. Salut ma princesse. C'était qui à la porte? C'était un jeune homme. Il est de ce village. Il cherche qui? Vous. Moi? Il a un rendez-vous avec vous. Un rendez-vous? Je n'ai pas fixé un rendez-vous avec quelqu'un. C'est quoi son nom? Ma princesse, j'ai oublié son nom.
Mais je l'ai vu avec un colis. Je pressens que vous avez causé avec lui pour vous vendre quelque chose. Tu peux imaginer? Quelqu'un vient dans ces palais et dit qu'il veut me voir. Et tu ne cherches même pas à identifier la personne. Tu vois? Tu manges tellement beaucoup que tu ne peux pas retenir quelque chose. Tu ne penses qu'à manger. Va me demander son nom. Je dois rentrer me renseigner à propos de son nom? Va et tape-le. Ok, ma princesse. Tu peux imaginer ça? Tout ce qu'il sait faire, ce n'est que manger. Pourquoi tu m'as menti que tu as rendez-vous avec la princesse? Je suis désolé. Je suis désolé. Princesse. Princesse, vous. Je vous me rappelez? Souviens de toi, Chikelo. Oui, Chikelo. Je me rappelle, vous avez dit que vous aimez beaucoup de la viande sauvage. Alors, je me suis décidé de vous apporter d'autres. J'espère que tu sais que mon anniversaire est déjà passé. Princesse, ce n'est pas pour votre anniversaire. L'anniversaire ou pas, mais quand vous recevrez bonnement mon cadeau, je commencerai constamment à vous apporter mes cadeaux. Merci. Combien? Ah. Je ne suis pas venu ici pour faire du commerce, ma princesse. Je suis venu vous offrir mon cadeau. Tu veux dire tu n'as pas besoin d'argent pour ça? Pas du tout. C'est juste un cadeau que je vous ai apporté. Merci. Ok. Merci, princesse. Merci. Attends-moi. J'arrive. Princesse. J'arrive. Et il a dit que tu l'attends d'ici. Où est-il? Ma princesse, il est parti. Il a dit de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? La dernière fois, il m'a donné des excuses. Et pour maintenant? Nandi. Ma princesse. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je suis à votre service, ma princesse. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Je veux que tu me trouves tout ce qui concerne cet homme. Je veux savoir où est-ce qu'il habite. Je dis tout ce qui le concerne. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à moi. Considérez que cela est fait, ma princesse. I'm in love with you. I cannot pretend from the depth of my heart. I love you. Nyemo bigi. Nao. Maman. Comment tu vas? Oh, mais tu n'as pas l'air en forme. As-tu mangé? Non, maman. Mais il y a la nourriture à la maison, non? Tu n'as pas vu ça? Maman, je n'ai pas faim. Il y a quelque chose qui me dérange. Quelque chose de très important que la nourriture. Qu'est-ce qui peut être plus important pour toi que à manger? Hein? Si je dois demander. Oui, maman. Beaucoup. Beaucoup. Spécialement la mort de Ozodima. Qu'est-ce que ça veut dire depuis Ozoba est décédé? Hein? Maman, je ne suis plus à l'aise dans ce village. Je n'aime pas la façon dont Mazia Diboué me regarde quand tu me vois. En plus, comme je pense maintenant, c'est mieux de quitter ce village et aller ailleurs. Et sans effet! Sans effet! Je ne peux pas quitter ce village à cause de quelqu'un. Ce qui se passe avec toi, c'est que ta conscience est toujours réveillée. Et c'est pour ça que tu iras au paradis. Oui, tu as une bonne conscience et tu ne peux pas aller en enfer. Tu es prêt à aller au paradis. Écoute-moi, tu vois ce roi. Essaye de l'oublier. Laisse-moi te dire ce que tu dois faire avec lui. À chaque fois que tu le vois, arrange ton habit comme ça. Commence à buter. Tu vois, il faut faire ça. À chaque fois que tu le vois. Non, tu ne peux pas avoir peur. Personne ne peut t'intimider. Arrête de donner l'impression comme si quelque chose s'est passé. Sois fort. Tu ne peux pas oublier quelque chose qui est déjà passé. C'est quoi avec toi? Hein? N'est-ce pas que tu veux aller au paradis? Je dois aller aussi. Voilà, c'est tout. Sois fort.
Soit toi, tu es un homme riche. C'est vrai, maman. Maintenant, tu as parlé. Alors, maman, qu'est-ce que tu m'as acheté? Attends, mon fils. Je fais ton plat favori. Bonjour, maman. Ma princesse. Bonjour. Je vous vois venir chez moi. J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Oh, tout va bien. Je suis venue voir ton fils, Chike. Qu'est-ce qu'il vous a fait? J'espère qu'il ne vous a pas offensé. Non, il n'a rien fait du tout. Je veux juste lui voir. Ok, comme vous avez dit qu'il ne vous a rien fait, je peux alors l'appeler pour vous. Ok. Chikelo! Alors? Es-tu surpris? Oui, je veux dire, comment? Les jours où tu étais venu au palais, on t'a suivi. Je peux vous offrir quelque chose? Pas besoin, je suis de passage. Alors, j'ai un boulot pour toi. Oui, bon, je m'échange des patates et je préfère te les confier pour travailler avec. Ah. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Je t'en prie. Alors, ça peut te prendre combien de temps? Que je voie d'abord le champ prêt et avant de commencer. C'est alors que nous allons tous quitter. Ok, il n'y a pas de souci. Je m'en vais. S'il te plaît, je ne peux pas. Je ferai un bon travail, je vous promets. Je le ferai bien. Ok. Ma princesse, merci énormément. Nous avons apprécié. Je t'en prie, maman. Je pars maintenant. Merci. Je peux commencer demain. Ou bien aujourd'hui. Merci. Oui, c'est vraiment la princesse qui est venue nous voir à la maison. Je suis très contente. Mon fils. Sometimes nature will take its place. Oh no, oh no, no, no. No matter how fast you try, oh yeah, whatever will be, will be. No matter how hard. Devine quoi? Mais regarde-toi, j'étais déjà en train de venir chez toi. Je venais aussi te voir. Oui. Mais attends d'abord s'il te plaît, j'ai un message important pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un mauvais rêve la nuit dernière. Oui, et c'est toi que j'avais vu. Dans ces rêves, j'ai vu ces moments où Ebonike t'avait tué. Je les rejette. Comment? Tu es arrivé, Oudike, mais tu es. Tu devrais l'attaquer, les tuer. Non. Ebonike est plus fort que toi, et c'est clair. Et il t'avait tué dans ce rêve. Et c'est pourquoi je m'étais décidé de venir te dire d'être prudent. Alors tu dois être un peu okay, prudent. Ok, même comme ça, c'est un rêve, ok? Oui, c'est un rêve. Oui, c'est déjà dans le passé. Alors. Et ça reste un rêve. Oui, c'est un rêve. Alors laisse-moi te dire pourquoi je venais te voir. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi, non? Devine. Je dois deviner. Oui. Est-ce à propos de ma viande de brousse? Princesse a visité ma maison. Arrête-toi. Je ne blague pas. La princesse? Oui. Quelle princesse? Notre propre princesse? Notre princesse. La princesse de notre terre. La princesse de ses royaumes. Elle est devenue chez toi à la maison.
ma maison. Comme qui? Hein? Est-on l'honneur ou bien quoi? Comment est-ce que la princesse peut venir te voir à la maison? Qui es-tu? Hein? Qu'est-ce que tu as? Ok. Regarde-moi cet homme. Oh, tu penses que c'est juste à cause de la viande que tu lui avais donnée l'autre fois? Hein? Tu penses que partout elle pourra te voir, elle pourra encore te reconnaître? Ou bien quand elle ne voit pas la viande de Bruce, elle viendra te chercher? Parce que tu lui avais dit l'autre jour que lorsqu'elle pense à la viande de Bruce, elle doit penser à toi. Et tu penses que ça fera qu'elle puisse t'aimer et qu'elle vienne chez toi à la maison? Tu n'es qu'un menteur. Dis-moi quelque chose de plus important. Je te croyais grand en tant que je te donne la bonne nouvelle. Elle était venue non seulement à me voir, elle m'avait offert un travail et elle avait dit qu'elle va me payer. C'est la raison pour laquelle je courais vers chez toi pour te dire la bonne nouvelle. Je veux que tu sois aussi impliqué dans les affaires. Es-tu sûr? Oui, c'est la raison pour laquelle je venais te voir. Chiquelou. Maintenant tu es mon gars. Tu es en train de devenir graduellement une grande personne. Oui. Et très bientôt, nous allons commencer à t'appeler Chiquelou le un peu grand. Parce que toi, tu es le je grand. Suis le plus grand. C'est très bien ça. Oui. C'est trop bien ça. C'est juste une parfaite opportunité. Je vais travailler pour elle. C'est la très très bonne opportunité pour elle, pour qu'elle me paye ma viande de brousse que tu lui avais donnée gratuitement. Je vais travailler, j'aurai mon argent. Tu vois, tu n'as jamais oublié cette affaire. Ça me fait mal. Ça me fait mal jusque-là. Est-ce que c'est vrai? Tu avais rêvé que Ebunike m'avait tué? Il t'avait tué, il t'avait tué. Et dans la plus mauvaise nouvelle dans tout ceci, c'est que il t'avait coupé la tête. M'a tué comme un animal? Oui. Il y a aussi ta masculinité qui a été coupée. Mais tu veux commencer à avoir peur? Ma masculinité. Il avait coupé ta tête. Il t'avait décapité. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Toi aussi, tu as peur, hein? Tu as peur, regarde-toi. Ce n'est qu'un rêve, ça ne va pas arriver. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. C'est un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Monsieur Kupler. C'est un rêve. C'est un rêve. Allons-y là-bas. Allons-y chez toi à la maison. Allons. Je suis sur le bon endroit. J'y crois comme si c'est une réalité. Ma princesse, nous avons vu la terre. Oui, nous l'avons vue. C'est très très grand, pouvons tous nous contenir. Pas de problème. Et tout le monde me connaît dans ces villages. Je suis Ozo le Grand. Je ne prends pas un truc inférieur à 100 000 ou bien 70 000. Tu sais, ça 50 000, 100 000, 70 000. Tu connais ça? Mais je vais accepter. Mais je vais au moins prendre 20 000 parce que c'est mon ami et c'est lui qui m'a proposé cette... Fais ce qu'on a dit. On a dit de ne rien prendre. Dois-je prendre 30 000? Non, mon ami. Nous ne devons rien demander en retour. Tiens, moi, travailler gratuitement, ça veut dire quoi? Ma princesse, désolée. 30 000, c'est bon pour moi. À partir de maintenant, parce que je vais l'investir. Et puis le mettre ou vendre. C'est un grand travail. C'est un grand travail pour nous. Alors je ferai avec 30 000. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Il a accepté. Alors deux seulement garder 30 000. Calme-toi. Mais qu'est-ce qui te dérange? Calme-toi. Et à propos de toi, Chiquelou? Ah, moi? Chiquelou, il aime énormément de l'argent. Il te dira même peut-être 50 000. Chiquelou, je le connais très très bien. Tu peux me permettre de parler? 50 000. Princesse, je n'ai pas besoin de quelque chose pour le moment. Après avoir fini avec le travail, je vous dirai si j'en aurai besoin ou pas. Ça dépend de moi. Fais attention. Es-tu sûr? Très sûr. Fais attention. Ok. Amaka? Oui, ma princesse. Ramène-moi l'argent qui est dans le sac. Ok, ma princesse. Alors, je vais travailler très, très, très dur. Hein? Je vais travailler très, très, très dur. Tout le monde sait que je suis Ozo le Grand. Une fois qu'ils font appel à Ozo le Grand, vous voyez ces garçons, ils vont me payer 100 000 ou 70 000. Mais c'est... Voilà tes 20 000. Merci. Tu dois les remettre. Si tu ne fais pas, je vais te casser la mâchoire. Cheke, tout va bien? Oui, il doit justement vous les remettre. Moi? Le remettre? Je veux rien remettre. Ozo le Grand. Oui, je suis le grand homme. Et mes 10 000 qui restent. Princesse, il reste les 10 000. Partons. Es-tu fou? Je vais récupérer mes 10 000 qui restent. Après le travail. Allons-y. Attends, Ozo. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette bêtise que tu viens de faire là-bas?
De quelle bêtise je suis en train de parler? Que cela veut dire? Est-ce que c'est comme ça était notre plan? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pourquoi pas tu as accepté 20 000 nerfs à des mains de la princesse? Pourquoi? Mais j'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de dire. Donc je devais faire ce travail gratuitement. Hein? Si j'acceptais ce 20 000 de la princesse, c'est parce qu'elle est plus proche avec toi. Normalement, tu sais combien le genre me paye. Je prends 70 000, 50 000, 100 000. Et si j'acceptais ce 20 000, c'est à cause de votre relation. Est-ce que c'était ça notre plan initial? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc je devais faire le travail gratuitement. Est-ce que je suis toi? Tu pleures à tout moment. Oh, je veux commencer à pleurer. Hein? Tu veux commencer à pleurer? C'est bon. Quand tu avais pris ma viande de bourse et que tu l'avais donnée à la princesse, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que j'avais pleuré? Elle était d'ailleurs très contente. Tu lui avais donné ta part et je vais même pris ma part pour donner à la princesse. Elle était en train de sourire. Oh, merci, merci. Très, très contente. Et d'ailleurs, je me rappelle très tôt bien que tu lui avais dit, à tout moment que tu as besoin de la viande de brousse, appelle-nous. À tout moment que tu penseras à la viande de brousse, pense à nous. Maintenant, c'est la seule opportunité pour que je récupère ma viande de brousse. Tu travailles chez la princesse gratuitement et tu me parles de bêtises. Si tu n'as pas besoin d'argent, ce n'est pas un problème. Mais tu vois, cet argent, moi, je vais le garder. Et si jamais j'ai encore l'opportunité de prendre plus, j'irai prendre plus. Elle me doit d'ailleurs 1 000 parce qu'ici, ce n'est que 19 000 euros. Je veux partir récupérer l'argent restant. Tu peux rester là et pleurer pendant l'éternité. Ce n'est pas mon problème. Mais c'est qui pleure. Tu peux rester là et pleurer comme tu veux. N'importe quoi. Rappelle-toi. Viens me rejoindre pour faire ta propre part du travail. Hein? Sinon, même si tu restais là et que tu te mettais à pleurer, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais te laisser ta part du travail. Mais c'est qui pleure. Et aussi, dis à la princesse que je viens de récupérer mes 1 000 qui restent. Je ne vais rien laisser. Je vais prendre mon argent au complet. Elle me doit encore 1 000 et je dois le prendre. Viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Sinon, je ferai mon travail et que je laisserai le tien. Continue à faire le travail, allez-y, continue à faire le travail. Fais le travail, continue à faire le travail, ne reste pas debout. Bonjour princesse. Salutations princesse. Nous avions fait comme convenu. Le total est de 180 000. Merci. Je vous en prie princesse. C'est exactement ce que je pensais. Continuez comme ça, c'est bien. Alors, croyez-le. Combien princesse. Je dois payer? Ton paiement. Moi? Mm-hmm. Oui, toi. Dis à la princesse qu'on sent ton paiement. Princesse, je n'attends rien de vous. Hein? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quoi? Mais c'est vas-y, prends ton argent. Tu as déjà eu pour toi. Vas-y, prends ton tu argent. Tu as déjà pour prends toi. Prends ton argent. C'est pour moi. Tu dois récupérer ton c'est argent. Pas ton vous argent. Travaillez beaucoup, alors exactement. Vous avez besoin de te payer. Exactement. Combien? Princesse, comme je venais de le dire tout à l'heure, je n'attends rien de vous. Toi, fais attention. Ce n'est pas vrai. Sûr? Je suis sûr, princesse. Merci. Princesse, s'il vous plaît, il n'est pas sûr en tout cas. S'il vous plaît, donnez-lui un peu d'argent. Princesse, mes 1 000 lira restants. Princesse. Vous me devez 1 000 lira, princesse. Laisse-moi prendre mon argent, non? Princesse?
C'est quoi ça? Je t'appelle Ozo le Grand, Ozo le Grand. C'est quoi ça finalement? Mais ça te concerne. Mais c'est quoi ton problème? Ça te concerne en quoi? Qu'est-ce que c'est ton problème? Tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Laisse-moi te demander, qu'est-ce que la princesse t'a fait manger? Hein? Qu'est-ce que la princesse t'a fait manger pour que tu arrives à perdre ta tête de cette manière? C'est toi, tu as perdu l'essence des raisonnements. Tu ne réfléchis plus du tout. Tu n'as pas raison. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'es plus grand. Allez, va-t'en. Fais attention, je vais te faire du mal. Ne blague pas avec moi, je vais te frapper. Je vais te frapper maintenant. Respecte-toi. Ne sais-tu pas que toute chose dans ce village a son propre prix? C'est ton argent. Ne le sais-tu pas? Si j'ai refusé de prendre ton argent, est-ce que c'est ton affaire? J'étais juste en train de t'aider de récupérer ton argent. Pourquoi ne voulais-tu pas prendre ton argent? Hein? Pourquoi se donner avec la princesse? Pourquoi? Quelqu'un avec qui tu n'es pas de la même classe. Et tu ne seras jamais de sa classe. Ça ne marchera pas. Au lieu de te concentrer sur l'essentiel, tu te concentres à faire du n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça. Récupère ton argent. Oui, c'est mon argent, ce n'est pas ton argent. Je peux le prendre ou pas. Mon père, j'ai vraiment honte de toi. J'ai honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. J'ai vraiment honte de toi. Tu es plus grand. Tu ne peux. Tu ne peux jamais regretter, mais c'est qui pleure. Tu ne peux pas regretter. Comment ça alors à pleurer? Cet argent, après tout ce que nous avons enduré là-bas, le soleil, la pluie, tu ne pouvais même pas prendre cet argent. Pourquoi? Quoi? Je te pose la question, c'est ton affaire, c'est ton argent, tu n'as pas eu ton argent, n'as-tu pas eu le tien? Pourquoi tu te déranges avec ma part? Je veux d'ailleurs savoir le problème qu'il y a avec la princesse, parce que la fille en question, elle ne t'aime pas. Pourquoi tu te dis seulement sur elle, pendant qu'il y a plusieurs belles femmes dans ces villages? Tu veux être avec la princesse pendant que tu n'es même pas encore riche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te mets à dire n'importe quoi, tu te mets à crier par-ci par-là, parce que maman n'est pas là. N'est-ce pas? Parce que tu sais que ta mère n'est pas là. Parce que si tu savais que ta mère était là. Ok. D'accord. Hein? Elle doit tout savoir maintenant. Elle doit tout savoir. Maman, maman, s'il te plaît, viens. Viens, maman. Regarde, je ne veux pas les problèmes. Je m'en fiche. Maman. Maman, bon après-midi. Quoi? Maman. Quoi? Parle, non? Vas-y, parle. Maman, nous venons du champ. Ne fais pas comme si rien. Ne fais pas comme si rien ne s'était passé. Parle à maman. Dis-lui la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu fais que je dise à la maman? Il n'y a rien. C'est un mensonge. Il ment. Je ne fais pas ce que je suis en train de faire. Dis à maman la vérité. Expliquez-moi très bien. Tu sais que nous étions partis travailler chez la princesse. Expliquez-moi bien. Juste ces trois. Oui. Pendant 3 jours. Le premier jour, il y avait la pluie. Le deuxième jour, c'était ensoleillé. Et aujourd'hui, là, c'était pour la réunion autre chose. Maman, parle à ton fils. Parle avec lui. Après avoir fini le boulot chez la princesse, ton fils ici présent a refusé de prendre sa petite part d'argent. Fils, vas-y, explique-moi bien. Ne porte pas l'oreille. Il te ment, maman. C'est un menteur. Hey, je mens? Est-ce que je mens? Devant ta mère, tu es en train de dire tout ça? D'accord, c'est bien alors. Maman, en ce moment présent, demande à ton fils de sortir l'argent que la princesse lui a donné. J'ai de l'argent avec moi. Oui, vas-y, sors cet argent. Ça. Sors-les. Donne maintenant. Pourquoi tu veux seulement le voir? Je n'ai ici. Sors-le. Et ça, ce n'est pas de l'argent? Vas-y, sors-le. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Vérifie très bien dans ton poche et sors-nous cet argent. Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent? Ça se trouve ici. Sors l'argent! Maman, ton fils est en train de mentir. Il ment. Non, maman, je n'ai pas eu ma part de l'argent. C'est resté chez la princesse. J'irai la prendre. Mon fils, calme-toi d'abord, hein? Je trouverai la solution moi-même. On verra avec toi. Je suis sûr de ce que je dis. Je ne dis rien pour le moment, hein? Je laisse. Maman, je suis sûr de ce que je dis. Et toi là, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, je te conseille de ne pas essayer de faire cette bêtise. Chikelo, je sais que Ozo était en train de dire la vérité. Oh, maman, tu me surprends. Tu crois ce que Ozo te disait plutôt que de me croire. Hein? Néanmoins, tu veux que je commence à douter de toi. Parce que je connais mon fils. Je sais que tu ne mens jamais. Oui, maman. Maman. Maman, tu dois voir les choses de ma manière. De quelle manière? Vas-tu travailler gratuitement? Ah. De quelle façon? Maman, princesse a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Voilà pourquoi tu as décidé de travailler gratuitement. Comme tu veux travailler gratuitement, réduis l'argent de tes charges. Ça doit être ainsi. Bien, maman, je ne... Elle n'a pas l'air d'une fille qui souffre. Loin de là, maman. Elle est très à l'aise de plus quand même certaines filles qui attendent de l'argent de leurs parents, de leurs maris ou à leurs copains. Mon fils, je sais que tu es un homme gentil. Mais au lieu de travailler gratuitement, tu dois réduire ton argent. Ça serait mieux ainsi. Tu dois vraiment prendre quelque chose. Si je commence à sortir pour travailler gratuitement, comment allons-nous manger dans cette maison? Hein? Je t'ai écouté, maman. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Ok. D'accord. J'espère que tu es content. Oui. Je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que je peux avoir une raison pour vous faire quelque chose, ma princesse? Je l'ai fait de tout cœur. Je comprends, mais je ne suis pas la seule fille de ce village. Tu m'admires? Excusez-nous. Alors, nous voilà maintenant à deux. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien du tout. Je ne veux rien de vous. Rien du tout? Et tu fais tous ces sacrifices pour moi? Bien, disons que... je vous considère comme ma sœur. J'aimerais avoir une sœur comme vous. Princesse, vous m'étonnez. J'ai besoin d'avoir une sœur avec vos qualités. Vous êtes calme, très respectueuse, hospitalière. Vous travaillez dur. Vous êtes belle. Si je peux avoir une sœur avec toutes ces qualités, c'est une bénédiction pour moi. Alors, c'est juste parce que tu n'as pas de sœur? Oui. Avec ces différentes qualités que je venais d'énumérer, j'ai besoin d'avoir une sœur comme vous. Vous me demandez qu'est-ce que je voulais. La raison est simple. Je veux assez que je sois votre frère aîné. Nous n'avons même pas de lien. Comment est-ce que ça peut d'ailleurs marcher? Bien. Si c'est ce que tu veux, que cela soit ainsi. Merci, ma petite sœur. Merci. Je t'en prie. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre.
Votre aspect d'entrepreneuriat, vous me l'avez enseigné, Désolé. Désolé pour mon enthousiasme. J'aime ton insistance. Je n'aime pas seulement le fait que je motive les gens qui sont proches de moi, mais aussi un étranger. Merci. Je vous vois une bénédiction pour cette génération. Je t'en prie. Le frère aîné. Chinelo. C'est pour? Prends ces 50 minéraux. Je suis désolé, je ne peux pas le recevoir. Si tu n'acceptes pas cet argent, je vais arrêter de te parler. Merci. Je commence à partir. Passe une bonne journée. Maman? Maman, bon après-midi. T'es de retour? Bon après-midi, comment vas-tu? Tu ne t'es pas encore habillée. Habillée pourquoi? Comment est-ce que tu me réponds de cette façon? Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois que tu es réunie avec tes amis. Pourquoi tu n'es pas allée? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? N'est-ce pas que tu es obligée d'aller dans cette réunion? Mon fils, oublie ça. Je ne veux pas aller là-bas pour me ridiculiser. Pourquoi? Les dettes que je dois payer dans cette réunion sont énormes. Je ne veux pas aller là-bas pour me déshonorer. Alors, tu les dois combien? 15 000 naira. Juste 15 000 naira. Viens-tu de dire juste 15 000 naira? Oui. Tu vas aller à la réunion. Chimo! Chimo! Mille, deux mille, trois mille, quatre mille, cinq mille, six mille, sept mille, huit mille, neuf mille, dix mille, onze mille, douze mille, treize, quinze mille, ça va. Où est-ce que tu as trouvé ça? Oh, maman. Ça, ce n'est pas un problème. Je crois que tu as maintenant de l'argent. Que ça ne soit pas ce que je pense. Tu n'es pas un mauvais garçon. Maman, pardon, pardon. Maman, pourquoi tu peux penser comme ça? Tu connais très bien ton fils. Je ne suis pas un voleur. Tu me connais bien. Alors, où est-ce que tu as trouvé cet argent? Princesse me l'avait donné. Tu fais encore notre travail pour elle? Je n'ai pas travaillé pour elle pour avoir cet argent, maman. Disons, mes bienfaits m'a payé. Dieu va la bénir. Oui, Dieu te bénira aussi. Vraiment? Maman, ça c'est 15 000 pour votre réunion. Aussi,
Tu as juste essuyé la honte sur mon visage. C'est bien, maman. Je ferai de plus que ça. Aussi, Ah, ça encore? Oui, tu peux utiliser ceci pour acheter tout ce dont tu as besoin. Merci énormément. Oh, maman, vas-y t'habiller. Tu es déjà en retard. Mmh. Oh, maman, mon Dieu va te bénir. Maman, fais ce que je viens de dire. Ton fils est là pour toi. Hey, je suis là pour toi. Je t'aime, mon garçon. Maman, tu es déjà en retard. Dépêche-toi. Je veux que tu sois en forme. Vraiment. Hein? Chikelu. Oui? C'est qui cette personne qui t'a donné tout ça? Cette grosse somme d'argent. La princesse était venue chez moi. Elle m'a donné de l'argent, quand bien même je lui avais dit que je ne vais pas prendre cet argent. Elle a insisté. Elle m'a dit si je le refuse, elle va cesser à me parler. Je n'avais pas aucune autre option que de prendre. La princesse? Oui. Alors j'ai donné maman sa part et je suis resté avec la mienne. Ça, c'est pour toi. Attends d'abord, combien est-ce qu'elle t'a donné? Elle m'avait donné 50 000 naira. Et c'est combien que tu veux me donner? 5 000 naira. Juste 5 000, surtout le 50 000. Et tu m'appelles ton meilleur ami? Est-ce que je suis supposé te donner de l'argent? Je ne vais pas prendre cet argent. Ah, je ne vais pas prendre cet argent. Comment peux-tu me donner 5 000 naira, surtout les 50 000 naira? Ce n'est pas bon ça. Tu dois ajouter quelque chose. Si tu veux que j'aie cet argent, tu dois me supplier. Ah, tu ne peux pas donner à un grand homme 5 000 naira. Je suis un grand homme. Ce ne sont que le grand homme qui donne, pas des gens comme toi. Tu deviens graduellement grand, c'est bien, mais tu dois, tu dois faire quelque chose de bien. Fais-le. Ah, ah. Bien, c'est 1000 maintenant. Grand. Ozo le grand. très bien. Passe-moi ta main. Très bientôt, c'est à toi que je passerai le manteau comme le grand homme. 10 000 naira. Es-tu sûr que c'était 50 000 à la place de 100 000? Parce que toi là, tu es une mauvaise personne. Ok, c'est très bon mon ami, c'est très bien. Merci. Mais laisse-moi d'abord te conseiller à propos de quelque chose. Hein? Tu vois, parce que la princesse t'a donné cette grosse somme d'argent, n'essaye jamais de penser qu'elle est amoureuse de toi. Elle ne peut jamais t'aimer. Elle ne t'aime pas. Et d'ailleurs, en fait, elle n'arrive même pas à te voir du tout. La princesse est en train soigneusement de payer pour toute la viande que tu lui avais donnée. Probablement pour le travail. Et rappelle-toi que je n'avais pas pris l'argent chez elle. Hein, et que tu lui avais donné cette viande gratuitement. Et je crois qu'elle est en train de te payer toutes ces choses afin que demain, ce ne soit pas comme si elle garde encore ta dette. Ou bien que tu ailles dire à tout le monde que la princesse t'aime. Et c'est pourquoi elle te donne cet argent. Est-ce que tu m'entends? Je suis un grand homme et je sais ce que je te dis. C'est bon. Mais merci pour cet argent. Hein. Ça va m'aider pendant un long moment. Pourquoi tu penses que la princesse m'a remboursé? Qui es-tu maintenant? Hein? Es-tu le prince? Tu n'es qu'un chasseur. Elle doit te payer en retour pour tout ce que tu as fait pour elle. Alors n'essaie jamais de te rejouer pour cet argent. C'est quelque chose qui pouvait arriver à tout le monde. Ça pouvait aussi m'arriver moi. Imagine que j'avais refusé de prendre son argent. Elle pouvait aussi venir dans ma maison, tu sais, et aussi me donner un peu d'argent. Elle devrait venir chez toi? Oui, non? Alors n'essaie jamais de penser à ça. Parce que nous les hommes nous sommes très très dramatiques. Tu ne peux pas me dire à propos d'elle. Moi je connais l'histoire de femme il y a presque déjà 15 ans. Alors s'il y a quelqu'un qui veut savoir à propos de femme, c'est toi. Parce que tu viens de commencer ce chemin d'amour. Dans ton voyage d'amour, tu vois tout ce que je t'ai dit c'est la vérité. D'accord, je suis Ozo le grand. C'est bon. Elle ne t'aime pas. Waouh! Alors, à part chasser, tu es aussi très bon à raconter des histoires. Je peux dire que tout m'appartient, tous ces dons. J'ai plus d'histoires si vous voulez que je vous les raconte. T'es encore plus drôle que la dernière fois. C'est bien, si vous dites ainsi. Alors, tu es vraiment sûr que tu n'as pas besoin de quelque chose à boire? Oh, princesse, je suis bien. Es-tu sûr? Je suis sûr. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose dont vous voulez que je fasse pour vous? Je suis là, peu importe. Je suis là. Non, pas pour maintenant.
Ça va? Si tel est le cas, je prends congé de vous. Ok. Je vous verrai demain. Bien. Bye, princesse. Bye. Prenez soin de vous. Prenez soin d'elle. Au revoir, ma princesse. Bonjour votre majesté. Bonjour votre main. Qui es-tu? Qui est-ce que tu cherches? Papa? Il est venu me chercher. Chikelo, voici mon père le roi et ma mère la reine de ce royaume. Papa, oui. Je te présente Chike. C'est le jeune homme qui me surprend tout le jour avec de la viande. Oui, la viande sauvage. Ok, c'est toi qui nous fournissais de la viande sauvage? La viande sauvage, oui. Ah, je vais t'avouer que c'était délicieuse et savoureuse. Merci, votre majesté. Merci. Je vais apporter plus de la viande sauvage à la maison royale. C'est bien. Tu es de ce village? Oui, votre majesté. Oh, qui est ton père? Obioma. Obioma, le fournisseur de vin de palme. Ne t'en fais pas, mon père est toujours comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il était venu chercher ici? Je... Est-ce qu'il t'apportait encore de la viande? Non, papa. Alors, qu'est-ce qu'il est venu chercher au palais? Et il est venu me demander si j'aurais encore besoin de la viande de brousse. C'est tout? Oui, papa. Mais ça, ce n'est pas la raison pour lui de venir te chercher jusqu'au palais. Il devait laisser, te laisser les messages aux gardes. Il devrait se trouver à l'extérieur. Je voulais lui parler pour savoir qu'est-ce qu'il a pour moi. Et je lui ai parlé et j'ai vu que ce qu'il a, c'est pas ce que j'aime. Et lui, qu'est-ce qu'il avait? Piton. Aujourd'hui, il n'avait que le piton. Le piton? Que Dieu nous épargne. Pardon, ma fille. Je t'en supplie pour des raisons sécuritaires. Ne permets pas aux étrangers d'entrer au palais. Le mal se fait ces derniers temps. Tu ne connais pas qui est qui. Ok? D'accord, papa, je t'ai entendu. Bienvenue. Alors, où est mon cadeau? Garde! Oui, mon roi. Prends pour la princesse les cadeaux dans les coffres. Ça va, ma fille.
Bonjour. Ma princesse. Salut, princesse. C'est une grande surprise, ma princesse. Comme tu as décidé de ne plus venir au palais, voilà pourquoi je suis venue chez toi. Ne fallait pas vous déranger. Vous devez envoyer seulement le message. Je devrais venir. C'est bon. Je partais voir mon chant, alors je profitais et venais aussi te voir. Princesse, le chemin de votre chant n'est pas proche de ma maison. Le problème, c'est que tu m'avais manqué. C'est pourquoi je suis venue te voir. Et j'ai un jeu très amusant à la maison. Je pense que tu vas aimer. J'aimerais que tu passes à la maison pour qu'on puisse jouer. Tu sais que j'aime beaucoup les jeux. Et j'aimerais vraiment venir à la maison pour te voir, mais ton père... Oublie un peu mon père, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Juste, promets-moi que tu vas venir, s'il te plaît. Ça va, je viendrai. C'est promis. C'est promis. Mes salutations à maman. Je le ferai. À plus tard. À plus tard. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je considère la princesse comme ma sœur. Je ne vois rien de mal entre sœur et frère. Je peux sentir le son de son cœur par sa voix. Dis-moi, maman, quel sentiment que tu as par l'écoute de son de sa voix? Il n'y a pas de problème. Ne te dérange pas, continue avec ta lessive. Votre tour. C'est ton tour. Finalement, vous avez gagné. C'est pas juste. Je n'ai pas gagné. Vous l'avez fait. C'est une victoire légère. Quand tu me berces comme ça, comment veux-tu que je gagne? Vous êtes ma petite sœur. Je dois vous dorloter, alors je t'ai laissé gagner. Sinon, c'est un jeu difficile. Bonjour Sa Majesté. Salut, Votre Majesté. Je dois vous quitter. Ok, laisse-moi t'accompagner. Non. Laissez-moi partir, ok? Je vous verrai demain. Ok, je te verrai demain. Ok. Bye. Cet homme est en train de fréquenter ce palais sans la viande sauvage. Il a aussi l'audace de s'asseoir avec toi et jouer au jeu. Il y a des mains. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon ami. Depuis quand vous êtes devenus des amis? La dernière fois, tu as dit à ton père qu'il était là pour la viande de brousse. Oui, mais... Mais quoi? Tu nous avais menti. En quoi est-ce que j'ai menti? C'est ton ami. Il est aussi la personne qui a porté la viande de brousse. À qui crois-tu? Aux deux. Quelle relation y a-t-il entre vous deux? Chike est une bonne personne.
réponds à la question que ta maman te pose. Quelle relation y a-t-il entre vous deux? Comment je ne peux pas être sûr que tu amènes un bandit dans le palais? Je ne sais pas comment l'appeler, papa. Je fais mes investigations. Chike est une bonne personne. Ah, papa, tu sais, tout le travail qu'il a fait pour moi, il a refusé de prendre quoi que ce soit. C'est une bonne personne. Dis-moi, est-ce que tu les connais vraiment très bien? Oui, papa, je les connais vraiment très bien. Ok, ça va. Alors, sois prudente avec lui. D'accord, papa. Mais, s'il te plaît, peux-tu me donner une chance? S'il te plaît. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Ça va. Vas-y dans ta chambre. Merci, papa. Merci, maman. J'espère que tu ne l'as pas laissé continuer cette relation. C'est mieux d'avoir quelqu'un qu'elle peut appeler ami. Comme Laetitia est partie, elle est vraiment restée seule. Je vais personnellement l'aider comment rester avec son nouveau ami. Je ne me sens pas confortable avec ça. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, ma chère. Chikilou, tu es une mauvaise personne. En fait, tu es un mauvais ami. Chikilou, est-ce que tu réalises que notre amitié n'est plus du tout fort? Il y a quelques mois passés, notre amitié était juste comme ça. Mais maintenant, il est à ce niveau, 10%. Mauvais ami. Pourquoi? Tu n'as rien dit. Qu'est-ce que je fais? Tu me le demandes? Tu me demandes ce que tu as fait? C'est quand la dernière fois que tu es venu me voir? C'est quand la dernière fois que je t'ai vu venir dans ma maison? Et des fois, je fais d'ailleurs appel à ce garçon avec qui je ne parle pas. C'est quoi encore son nom? Timothée. Pour demander s'il ne t'avait pas vu et que je n'allais pas venir. Il disait non, il ne t'avait pas vu. Et même le prochain jour, je pouvais d'ailleurs venir jusqu'à chez toi à la maison. Et tout ce que tout le monde pouvait dire, c'est que je n'étais pas okay. là. Ok. Tu n'as même pas cherché à venir me voir à la maison pour me dire pourquoi est-ce que tu ne t'es fait pas voir. Tu es un méchant ami. C'est bien. Tu as raison. Je suis désolé. J'étais récemment occupé. J'ai arrangé mes relations avec la princesse. Et tout est arrangé. Tu étais occupé en essayant de bâtir ta relation. Réalises-tu ce que tu dis? Es-tu un charpentier pour essayer de bâtir ta relation avec la princesse? Quelque chose que moi et toi savons que ça ne pourra jamais marcher. En fait, ça ne pourra jamais marcher. Ce n'est pas possible. Qui l'a dit? C'est toi et moi qui l'ont dit. Ça ne pourra jamais marcher. De quoi es-tu en train de parler? Comment peux-tu faire affaire avec la princesse? Tu n'es qu'un garçon local. Regarde-moi, essaye de te lever qu'on essaie de voir ce que tu as utilisé pour ceinture. Regarde cette chose. C'est quoi ton problème, Chikilou? Regarde-toi. Avec la princesse, des amis, en relation, jamais. La seule chose dont le roi peut avoir besoin de toi là-bas au palais, c'est pour que tu ailles là-bas dans le champ et que tu récoltes les feuilles de manioc, que tu récoltes les ignames et pour que tu le ramènes au palais. C'est juste ça. Ou bien qu'ils auront peut-être besoin de toi pour aller dans la brousse et chasser. Que tu prennes les animaux, les antilopes, le lapin et que tu reviennes. Tu ne peux jamais être ami avec la prince. Princesse, lève-toi. Lève-toi. Oh, Chike. Ma princesse. Wow. Bon après-midi. Bonjour. Bon après-midi, princesse. Ah, où sont vos compagnons, ma princesse? Vous êtes venue seule. C'était long trajet. Que veux-tu que je réponde en premier? J'ai dormi hors du palais. Vous avez fait quoi? Vous avez quitté? Je suis venue avec la bonne nouvelle. Ah. J'ai convaincu mon père. Tu peux venir me visiter au palais. Waouh, oui. Désolée. J'avais dit à papa que... tu m'as suggéré d'être mon frère, alors il a accepté. Désolé. C'est vrai? Oui. Oui. Je suis tellement contente. Je suis excitée. C'est pour nous deux? Merci. Juste après, je dois aller au palais. Tu sais, je n'ai pas dormi là-bas. En ce moment, je suis en train de me chercher. Pardon. Pouvons-nous commencer à venir ensemble, n'est-ce pas? Pas de problème, vous pouvez venir. Bien sûr. Ah. Ok.
Bon, à plus tard. À plus tard, princesse. Lentement. Lentement, lentement. Mais c'est quoi ton problème, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aller au palais. Tu iras au palais pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi exactement? Finalement, le roi a accepté. Je dois être content. Hey! Donc ça veut dire que je m'étais mis là à perdre ma salive pour rien. J'étais là en train de perdre mon énergie à te dire comment est-ce que tu ne t'inquiètes plus pour moi. Notre amitié est complètement en train de se perdre. Et que tu ne viens pas me voir. Et que tu t'es excusé. Et que maintenant tu vas accepter la proposition du roi d'aller à tout moment au palais pour aller voir la princesse quand elle veut. Ça veut dire que cette relation prend fin maintenant. Toi pas aussi. Mais. Ce n'est pas important que tu fasses tout ça. Ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, laisse que je ne vienne plus chez toi. Ozo, je te vois devenir quelqu'un d'autre. Comment ton ami, depuis l'enfance, il n'y a rien de grave qui s'est fait. Je suis devenu grand maintenant. Tu restes mon ami. Je suis celui qui est grand et pas toi. Tu n'es qu'un pleurnicheur. Ozo le grand, au palais. Si par exemple tu vas au palais aujourd'hui, tu me demandes de venir le jour suivant pour que nous allions chasser. Hein? Et mais mon cher, ne perds pas le temps. Tu dois agir comme Ozo le grand. À plus tard, hein? À plus tard. Bye bye. Tu dois être content pour moi. Je m'en vais directement au palais. Je n'ai jamais vu ma fille aussi excitée. De même que moi, ma chère. Sa Majesté, je pense qu'il est temps de travailler sa conscience. Fais-moi comprendre ce que tu comprends d'eux. Juste, regarde-les un peu. Il y a quelque chose qui s'est créé entre eux. On appelle ça l'amour. Mais ils refusent de le croire. Tu ne penses pas que c'est vraiment tôt? Bien, ce que je vois deux personnes qui ont manqué de se connaître depuis longtemps. Ils se prennent comme frères et sœurs. Sa Majesté, c'est la danse moderne. Le plus tôt serait le mieux. Je pense qu'il est temps de pouvoir prendre en compte de ce qui se passe entre ces deux individus. N'oublie pas la condition qu'elle a. Et aucune personne ne s'est intéressée à elle, excepté Chikele. Et pourquoi ne pas rendre ce que nous appelons amitié en amour? De l'amour qu'il y a entre deux personnes, un homme et une femme. Deux adultes, votre majesté. Je continue à garder mes paroles. Que la nature prenne sa cause. Oh, le naturel revient juste au galop. Nous devons juste tourner leur cœur vers une direction normale. Votre honneur, c'est beaucoup plus que vous le pensez. Calme-toi, ma chère. Je mets raison. Bien. Si tel est le cas, je pense qu'il faut rendre son ami à l'auteur de notre vie. Parce que notre réputation est mise en jeu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est assez bien. Tu peux le faire. Allez, trinque, mon roi. Trinque, mon amour. Chikele, stop! Qu'est-ce qu'il y a? La reine t'a aperçu et elle m'a envoyé de t'appeler.
C'est vrai, la reine m'a aperçu. Oui, c'est ce que je dis. C'est la raison pour laquelle elle m'a envoyé de t'appeler. Moi? Oui, oui. Viens, par ici. Pardon, par ici, s'il te plaît. Viens, viens. Votre Majesté. Je vous salue, Votre Majesté. Bonjour, Chikelo. Comment vas-tu et comment se porte ta mère? Je vais bien, Votre Majesté. Nandé, tu peux partir. D'accord, laisse Votre Majesté. Oh, mais toi? Mais toi? Merci, ma reine. Je t'en prie. Chikelo, je peux observer la relation que vous entretenez avec ma fille. Et je ne peux pas nier que cela a apporté un impact positif dans sa vie. Elle est devenue intelligente et elle n'est plus aussi stupide qu'elle était avant. Tu l'as apporté un changement dans sa vie. Je peux voir tout ce qui a changé depuis que tu es là. Et je suis là pour te dire que tu as vraiment prouvé que tu es une bonne personne. Merci beaucoup, Votre Majesté. Merci pour votre générosité. Merci beaucoup, ma reine. Vraiment, je suis honorée. Ok, c'est bon. Il y a quelque chose qui manque ici. Mais c'est toi. Votre Majesté, ne t'inquiète pas, respire. Être associé à la famille royale n'est pas du tout un problème. Mais, pour que tu le deviennes, tu dois avoir l'air présentable. Et c'est pourquoi je peux parler ceci. Ce sont des vêtements, c'est pour toi. À partir d'aujourd'hui, ta façon de t'habiller doit complètement changé. C'est aussi pour notre réputation. Merci. Votre Majesté. Non. Merci. Ça va, merci, c'est beaucoup, bon. Votre Majesté. Non, c'est bon. Merci. Debout. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Votre Majesté. Debout, merci. S'il te plaît. Assieds-toi. Merci. Ça, c'est pour toi. Merci, ma reine. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'apporterai les sacs demain. Non, garde ça pour toi. Le sac? Oui, bien sûr. Ah, merci, ma reine. Je t'en prie. Encore une fois, okay. De plus, ma reine. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Je le ferai. Merci. Je merci t'en beaucoup, prie. Ma reine. Je merci. T'en prie. Regarde, tout le monde qui croira que mon Dieu est en vie peut venir voir ça. Dieu est vivant. Hey! Nous vivons le merveille de Dieu. Honnêtement. Oui. Non, il est temps que tu commences à emmener pour aider des gros gibiers. C'est ce que tu dois faire. Parce qu'on ne sait jamais où. Ce qui peut nous arriver demain. Oh, hey! Maman, juste la blague. Maman, écoute-moi. Celle-ci est une évidence d'une bonne relation. Récompense de bienfaits. Tu peux le dire encore. Oui. Dieu ne cessera de bénir la famille royale. Spécialement la reine. Mais la reine fait partie de la famille royale. Mon fils, tu ferais mieux d'aller te débarbouiller et je t'apprête ta nourriture. Ah, maman, as-tu déjà mangé? J'étais attendu, j'avais tellement faim et j'avais mangé. Bien, maman, je ne pense pas que je vais manger encore. Maman. Sérieusement? Il faut voir ce qu'ils m'ont donné comme nourriture au palais. Ah, ah. Hey! Pommes de terre. Mm-hmm. Poulet. Vas-y encore.
La viande de chèvre. Dis-le avec moi, maman. Viande de chèvre. Le niveau a changé. Tu vas commencer à manger la nourriture royale. Et à la table royale. Oh mon Dieu. Mon fils, écoute, hein, arrête un peu. Je sais que Dieu nous a exaucé. Maman, donne-le moi, je le reclasse encore dans mon sac. Et tu dois le changer. Chikelou, tu sais que tu n'es pas un bon ami. Tu n'es pas du tout un bon ami. Quand est-ce que tu vas arrêter de dire que je ne suis pas un bon ami, je ne suis pas un bon ami? Et tu ne t'éloignes pas de moi. Tu n'es pas un bon ami. Au vrai, tu ne l'es pas. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne chose que tu me le demandes maintenant. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Premièrement, je ne te vois plus. Tu as totalement disparu. Je ne te vois plus du tout. Je ne vois plus ton feu vert. Maintenant, tu commences à avoir un air différent. Hmm? Tu as l'air frais, tu as l'air bon. Et c'est quoi ton secret? Hmm? S'il y a quelque chose que tu es en train de faire qui te procure un peu d'argent, pourquoi ne pas m'intéresser, moi, ton ami, dans cette affaire? Je veux moi aussi avoir de l'argent, non? Hein? Ne suis-je pas ton meilleur ami? Essaie de m'inclure dans cette affaire. Regarde-toi maintenant, tu changes les habits tout le jour, comme si quelqu'un qui avait une boutique là-bas en ville. Conduis-moi dans cette affaire que tu fais, je suis besoin de gagner de l'argent. Franchement. Toi, tu vois que le nouveau vêtement, est-ce que tu me vois avec de l'argent spécial? Pas d'affaire, juste le vêtement. Ces vêtements m'ont été achetés par la reine elle-même. Elle a voulu que j'apparaisse beau comme je fréquente le palais. C'est tout. Attends. Tu veux dire la reine de cette terre, hein? Elle t'a acheté des habits? Elle m'a acheté ses vêtements. La reine? Oui. Et comme quoi alors? Je suis devenu le prince. Comme je suis le frère à la princesse, oui. Je suis également le prince. Attends, tu veux dire que la reine de cette terre t'a acheté des habits? Oui. De polo et des pantalons? Elle a eu le temps de m'observer. Chikelou, es-tu en train de penser à ce que je pense? Hein? Es-tu en train de penser à ce que je pense? Tu sais que tu es toujours le grand penseur. Oh, sont les grands. Quelque chose va bientôt se passer. Mon frère, c'est maintenant le bon moment pour toi de te battre. Oui, bien sûr, pense à ça. Le bon moment pour moi de faire quoi? Mais bats-toi, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? Essaie de posséder ce qui est à ta possession. C'est maintenant le bon moment. Comme c'est maintenant la reine qui te préfère, hein, et qu'elle t'achète maintenant des habits. Ne penses-tu pas peut-être que ça sera mieux pour toi de dire à la princesse que tu l'aimes? Mais laisse-moi d'abord te demander, est-ce que tu as déjà essayé de faire comprendre tes intentions à la princesse? Tu vois, toutefois, quand nous essayons d'arranger ensemble les choses, tu viens les ruiner. Comment? Bats-toi, mon ami, bats-toi. Il n'y a rien à tirer. Elle me considère comme son frère, c'est tout. Comme étant son frère? Grand frère. Attends un peu, de quel genre de frère as-tu entendu parler? Je la considère comme ma soeur, c'est la relation que j'ai avec elle. Attends. Est-ce que c'est toi qui l'as dit ou bien c'est la reine qui l'a dit? Toi, qu'est-ce que tu as avec la princesse? Laisse-moi te demander. Hein? Une relation de frère et sœur. Hey! Menteur! Un menteur! Arrête un peu de mentir, non? Vas-y, ouvre-toi, essaie de te battre. C'est maintenant le bon moment pour te battre. Comme ils te veulent comme ça, tu seras le prince à venir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu me rappelles. J'ai quelque chose à dire. C'est quoi? Change les sujets. Alors, dis-moi un peu ce que j'ai dit qui soit bêtise. Hein? Je suis ton ami. Ton meilleur ami. Et c'est pourquoi est-ce qu'on m'appelle toujours Ozo le quoi? Le grand. Au lieu de suivre mes conseils pour que sa tête, tu dis que j'ai dit n'importe quoi. Je t'ai déjà dit. Tu sembles avoir beaucoup de conseils à donner aux gens. Tu continues à porter ceci. Oui, c'est vrai, je continue à le porter parce que je n'ai pas d'orgueil. Et à partir de l'année prochaine, je commencerai à mettre des habits un peu plus beaux. J'achèterai même une voiture. Tu n'as pas de voiture, toi. Lara ne pourra pas te l'acheter. Tu n'es pas encore riche. Ozo le grand. Je suis le plus grand. Le meilleur. Ozo peut avoir raison. Celle-ci ne peut pas être une bénédiction pour moi. Ça peut être une tentation. Je ne sais même pas si je l'aime. Ce que je vois en elle, c'est ma sœur. Et si j'essaie de lui dire que je l'aimais, est-ce qu'elle va m'accepter? Et si je lui disais que je l'aime et qu'elle refuse et dit cela à ses parents? Je dois faire attention. Ceci pourra mettre fin à ma visite au palais.
Ceci peut être un démon qui parle de la bouche d'Ozo. Ou bien... Est-ce qu'elle peut être jaloux comme je suis proche avec la princesse? Oui. Oh oui. Je sais maintenant que ces paroles sont les paroles de la jalousie. Il n'y a rien que la jalousie. Je crois qu'il est temps de m'écarter de lui. Mais Ozo a toujours été mon ami. Il a été toujours un homme bien depuis notre enfance. Pourquoi ce changement? Pourquoi il fait ceci? Non. Ceci, c'est un mauvais conseil de sa part. Et moi, je ne veux pas l'y pratiquer. Votre Majesté, nous, les conseils de vieux, nous sommes rencontrés. Et nous sommes venus vous dire que le temps n'est plus avec nous. Oui, Votre Majesté, Onou a raison. Mettons les jeux de côté. Il y a un peu de la catastrophe. Catastrophe, oui, mais tu parles en parabole. Quelle catastrophe? Votre Majesté, ce que les deux ont dit est que nous avons besoin d'un successeur au trône. Jusque-là, il n'y a pas l'héritier au trône. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un d'autre de succéder au trône. Nous voulons que cette dynastie reste quand tu iras rejoindre tes ancêtres. Combien de fois je t'ai interdit de ne plus aborder ces sujets? Nous ne te le disons pas comme étant membre du cabinet, mais plutôt comme étant tes frères, les amis du roi. Si tu as échoué de produire un héritier, le trône va se rendre dans la dynastie d'Ogbeli. Et personne n'aimera que cela arrive. Bah non. Pas du tout. Et je vais suggérer que je pense à nouveau. Sans mâcher les mots, vous voulez que je pousse une autre femme? C'est ça, Votre Majesté. Exactement. C'est bien. Peu importe. Si le trône doit partir ailleurs, ça ne sera pas un problème. Parce que si vous imaginez que je vais épouser la deuxième femme, là je vous dis que vous avez tort. Ça ne se fera jamais. Mon roi, ce que vous dites, c'est comme tirer une balle dans l'air. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver s'il y a une autre personne qui vous succède au trône. Nous ne savons pas si elle va bien diriger comme vous le faites. Onou n'ose pas me flatter. Votre Majesté, Onou a raison. Vous savez que le peuple d'Oboli n'a jamais testé la royauté. Si vous permettez qu'ils puissent succéder au trône, ils ne seront pas bien dirigés, ils ne vont que tâtonner. Outre que ça, les gens d'Oboli sont égoïstes. Et être égoïste n'est qu'une autre déclaration. Je veux que tu essaies de penser sur combien de décennies que cela va prendre pour que la royauté revienne à notre dynastie. Alors, écoutez-moi. Si vous saurez comment les récupérer, pour vous en faire vous-même ou vos fils, succéder au trône, quand je mourrai, allez-y et faites-les. Sa Majesté, par la vérité de l'information que moi j'ai apprise, qu'une réunion s'est passée aujourd'hui, ici au palais, et tu n'as pas informé à ta femme. Qui est celui-là qui a fixé un rendez-vous sur Jean
avec toi. Et pour quel résultat? C'était seulement pour des mêmes histoires. Lequel? À propos d'héritier au trône. Et ta réponse? Qu'est-ce que tu attends que je dise? Tu attends que je dise quoi? J'ai déclassé, bien sûr. Mon roi, il est grand temps que tu changes d'opinion. Tu en as marre de quoi? Et qui est en train de faire les aventures? Mon père n'a jamais épousé une deuxième femme. Il vient de me dire que j'épouse une deuxième femme. Pourquoi? Mon roi, ton peuple veut le meilleur pour toi. Tu dois te pousser à ce que ton lignée puisse continuer. Je ne peux pas rester assise ici et voir ce trône aller en dehors de nos mains. S'il te plaît, écoute-les pour une fois. Ma décision était claire pour tout le monde. Et je n'y reviendrai plus. Pour une fois, tu peux arrêter d'être têtu et écouter assez. Ta femme. Assez. Si tu n'es pas confortable de rester avec moi ici, tu peux t'en aller. Ok? Moi, je ne peux que prier pour que tu changes d'idée. Parce que certainement, beaucoup de ces gens vous ont prêté allégeance. Ça m'est égal. Encore une parole venait de toi. Ma reine, tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi est ton frère. Ah. J'ai essayé de lui convaincre à plusieurs reprises. Malheureusement, il ne veut pas. Je ne sais pas quelle méthode que je peux utiliser pour le faire comprendre. S'il y a quelqu'un qui devrait se plaindre, c'est vous, ma reine. Exactement. Je ne les comprends pas. Aïe. Oh non, tout ce que je veux, c'est des enfants. Je veux que la génération de mon mari puisse continuer. Il est comme un roi qui n'est pas dans un droit chemin. Je pense que nous devons tout faire pour convaincre le roi, pour suivre notre direction. Peu importe ce que ça va nous coûter, je pense que je dois le faire. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je pense que nous deux nous combattons pour la même cause. Tu n'es pas un ennemi. Oui. Je pense que je dois aller à Ougoumé. Ougoumé? Pourquoi Ougoumé? Oh non. Ma reine. C'est le roi. N'est pas sur l'influence de quelque chose. Nous pourrons perdre ce trône. Et moi, je ne serai pas du mauvais côté de l'histoire et permettre à ce que les gens viennent vivre ça. Jamais. Rencontrer les grands féticheurs d'Ougoumé peut causer votre vie. Je m'en fous. Je ne perds rien. Ce qui doit être fait le plus tôt possible. Je pense que j'ai une solution. Cette pratique est plus connue avant même que nous naissions. C'est quoi la solution? La princesse. La princesse, comment? Oui, mon roi. Rappelez-vous, notre tradition dit que si le roi n'a pas un garçon, la fille aînée remplace les garçons, devient les successeurs au trône. Mais avant ceci, les maris de la fille dirigent les affaires jusqu'à ce qu'elle sera rachetée. Oui, je le sais. Oh, vous le savez? Oui. Pourquoi vous vous embrouillez au lieu de prendre cette direction? Je ne veux pas nécessairement forcer ma fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas, juste pour raison de maintenir le trône.
Je voudrais que ma fille se marie quand elle veut et à qui elle veut. Mon roi, c'est une excellente idée. Mais découvrez si elle a quelqu'un et qu'il se marie alors pour commencer le processus. C'est une bonne idée, mais j'ai 50% d'options au problème qui me concerne. C'est mieux de le faire, mon roi, pour donner la chance à la fille. Merci. C'est une excellente idée. Nous devons juste éveiller sa conscience. Éveiller la conscience de qui? De ta fille et Chikelo, bien sûr. C'est lui le seul homme pour le moment. Je crois que tu vas un peu vite. Comment tu peux réfléchir ainsi? Tu peux parler à propos les gens réputés d'une maison réputée, mais pas Chikelo. Mon roi, c'est comme si tu oublies les conditions de notre fille. Combien d'hommes s'approchent d'elle, ne serait-ce pour lui demander une simple relation, si on ne doit pas parler de Chikelo? Tu es vraiment d'accord que notre fille épouse un fils d'un fournisseur de vin de palme? Bien sûr, non, non. Le mieux, c'est de faire avec ce que nous avons. Chikelo est le seul homme pour le moment. Nous devons faire quelque chose. Bien, je dois penser. Tu dois me donner un temps. Je dois penser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons pas de choix. Les hommes sont rares. Pas pour ma fille. Nous ne sommes pas le mendiant. Je pense que beaucoup de gens là dehors mourront pour avoir ma fille. Non seulement parce qu'il a un défi physique. Je ne te permettrai pas de prendre ma fille comme une simple villageoise. Non. Je t'ai dit, donne-moi un temps que je réfléchisse qu'est-ce que je peux faire. Mon roi, pourquoi le limiter? Je te comprends pas. Donne-moi un temps. Quoi? Chaque fois quand vous m'appelez comme ça, je sais que vous voulez me demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. C'est pourquoi tu as dit chi. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je ne voudrais plus te voir chasser. Vraiment, vous croyez que c'est possible? C'est un travail que j'ai commencé depuis le bas âge. Comment voulez-vous qu'un jour je me réveille et laisser la chasse? Ce n'est pas possible. C'est vraiment dangereux. Je suis dangereux? Vous n'avez pas l'idée du genre d'animaux que nous avions tués avec mon ami. Il n'y a rien à craindre dans la forêt. Je fréquente la forêt. Mais ça ne te reflète pas. Qui l'a dit? J'ai été chasseur et j'ai pratiqué la chasse depuis le bas âge. C'est bien. Ok, c'est bien. Vous me dites de laisser la chasse. Quel autre travail que je veux faire encore? Il n'y a rien. Alors, je ne vois pas l'utilité d'aller rester en ville. Il n'y a rien qui peut remplacer la chasse. Tu sais que je ne peux pas l'accepter parce que tu vas me manquer. Je vais te manquer. Je peux aller y rester à tout moment que je veux. Alors, tu vas me manquer. Je suis là. Arrêtons un peu de parler cette histoire de la chasse. Je peux vous raconter une autre histoire? Non. Je n'ai pas envie de. Je vais te rencontrer l'histoire de la tortue. Pas question. Je te rencontre l'histoire d'escargot. Alors, celui des lions. Alors, nous pouvons? Ok. Ah, Votre Majesté. Bonjour. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, Chikeno. Ma reine. Ne me dis pas que tu pars déjà. Il y a encore beaucoup de temps. J'ai...
Je rentre vite voir ma mère. Ça fait longtemps qu'elle est restée seule. Oh, ok, c'est bien. Tu dois prendre soin de ta mère. Merci, ma reine. Ok, maman, laisse-moi l'accompagner. Juste à la porte. Oui, maman. Oui, maman. Très bien. Ok, bye. Au revoir, ma reine. Je suis ravie des joies. I'm in love with you. I cannot pretend. From the depth of my heart, I love you. Nye mo bigi, onye mfuru nanya. Nye mo bigi, achalu gongwanyi. I'm dying for you. I'm dying for you, baby. Quoi? Trop bien. Ma fille, je veux que tu me dises, qu'est-ce qui se passe entre toi et Chikeno? Tu l'aimes? Maman, qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Non, ce n'est pas de ta faute. On peut voir ton visage quand tu es avec lui. Maman, il n'y a rien de tout ce que tu penses. Chike est comme un frère pour moi. Vraiment? Écoute, je peux voir ce que je vois. Et ça, c'est au-delà de l'amour d'un frère et une sœur. Ça, c'est au-delà de l'imagination. Maman, mais j'ai raison. Ok, supposons que je l'apprécie. Comment veux-tu que je dise à Chike que je l'aime? Tu vois? Dis-le à haute voix. Il serait mieux que tu écoutes ton cœur. Si lui ne réalise pas que tu l'aimes, il faut créer cette atmosphère pour lui faire comprendre cela. Tu n'es plus un bébé, tu sais. Ok. Et même si j'accepte tout ce que tu dis, je ne peux pas aller de moi-même lui demander une relation amoureuse, maman. Elle me trouvera comme si je suis une fille légère. Non, c'est pas ce que je veux dire. Alors, que veux-tu dire? Tu le sais. Maman, arrête, s'il te plaît. Oh. S'il te plaît, changeons de sujet. Ok, changeons de sujet. Le suivant est que Edema est amoureux de Chike. Maman, arrête. Je pense que maman a raison. Est-ce que ce que je ressens maintenant, c'est l'amour? Non, je ne pense pas. Et même si c'est l'amour, Chikeno ne s'est pas approché de moi comme un homme. Se donner à lui sera la plus grande erreur de ma vie. Parce que il va commencer à me dénigrer à partir de ces moments-là. Et si lui aussi il a des sentiments pour moi, mais pourquoi il me prend toujours comme sa sœur? Est-ce que c'est parce qu'il est timide? Non. Non, Idema. Arrête de penser des choses qui n'ont pas de sens. Tu risques de perdre la seule personne que tu n'as jamais rencontrée dans ta vie. Maman, tu as tort. Je ne peux pas commencer une relation amoureuse avec lui. Jamais. Quand maintenant que tu viens de confirmer qu'ils ne sont pas amoureux. Pardon, est-ce que tu peux laisser tomber? Sa Majesté, je n'ai jamais dit qu'ils étaient amoureux. Ce que j'avais dit, c'est qu'ils refusent de nous dire qu'il est tombé amoureuse. Moi, je sais seulement de lui montrer comment ça marche. Comme tu sais que sa pensée, ça ne marche pas de pair que ta réflexion. Pourquoi tu ne fais pas d'effort de laisser tomber l'amour? On ne le force pas. Ça doit être quelque chose de naturel. Mon roi, je sais pourquoi tu dis ça. Tu dis ça tout simplement parce que son père n'est rien du tout. Et tu ne veux même pas connaître son père parce qu'il s'aime. Tu n'as pas tort là-dessus, ma chère épouse. Comment un fils d'un ordinaire, un fils d'un fournisseur de vin de palme, épouse ma fille, ma princesse. Et ce qui est plus grave que je ne connaissais même pas ce qui était son père, un fournisseur de vin de palme.
Mon amour, je ne trouve rien de mal de pouvoir prendre quelqu'un qui ne rien du tout et de pouvoir faire de lui quelqu'un. Non, non, ma reine, ça ne peut pas se faire. Je ne crois même pas que le Dieu Tout-Puissant sera d'accord avec cela. Mon amour, je pense que j'ai une idée. Laquelle? Tu sais que tu y es vraiment têtu. Excuse-moi, c'est supposé être une insulte ou un compliment? C'est une réalité. Je suggère que pendant que tu seras en train de préparer la conscience de ta fille pour le mariage, nous allons annoncer dans le village que notre fille est ouverte pour le mariage. Si un homme raisonnable vient demander sa main, je vais rejoindre ton idée pour lui faire comprendre qu'elle est maintenant mature pour tomber amoureuse d'une personne. Ça, c'est une bonne idée. Oui, probablement. Quelqu'un qui vient d'une famille réputable viendra. Tu as raison, Sa Majesté. Je pense que tu as raison. Et je pense que l'affaire de Chikelo, on doit le traîner un peu. Et on n'a pas besoin de le faire réaliser leurs sentiments envers eux-mêmes pour maintenant. Tu as bien parlé maintenant, mon amour. Mon roi, je n'ai pas de problème là-dessus. Nous avons tous l'objectif de marier notre fille. Je suis ravie. Merci, ma chère. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I love you, yeah, yeah, I love you, baby, yeah, yeah, I give me a thing for you, oh, 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 I'm feeling for you, my love for you is unconditional, baby. Love for you, sorry.